Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Grève du zèle et rassemblement de policiers devant les commissariats de France. Témoignage de leur solidarité après l'attaque de leurs collègues en Essonne. Manuel Valls promet des moyens supplémentaires. Les voitures vont être équipées de dispositifs anti-caillassage, assure le Premier ministre. Reportage et réaction à suivre. Les chiffres mensuels de Pôle emploi ne sont pas à eux seuls un indicateur fiable et pertinent du chômage, selon un rapport du Sénat qui recommande à l'opérateur public de mieux communiquer et à l'INSEE de publier ses propres statistiques plus révélatrices. Le détail dans cette édition. Inauguration de la première salle de consommation à moindre risque à Paris, rebaptisée salle de shoot par ses opposants. Elle va ouvrir ses portes vendredi. Alors va-t-elle permettre un meilleur suivi des toxicomanes ou au contraire banaliser la consommation de drogue et attirer les dealers? Le débat dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tom Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, l'annulation de la visite de Vladimir Poutine à Paris jette un coup de froid sur les relations diplomatiques entre la France et la Russie. Depuis Strasbourg, en marge d'une réunion du Conseil européen, François Hollande a réagi. Je vous propose de l'écouter. Je considère que le dialogue est nécessaire avec la Turquie, mais avec la Russie. Mais il doit être ferme et franc. Sinon, il n'a pas sa place. Sinon, c'est un simulacre. Je suis donc prêt à tout moment à rencontrer le président Poutine. Mais si nous avons la possibilité de faire avancer la cause de la paix, de faire cesser les bombardements et de proclamer la trêve. Alors comment en est-on arrivé à ce refroidissement des relations diplomatiques? La venue de Vladimir Poutine était devenue un casse-tête pour Paris après le veto russe au Conseil de sécurité de l'ONU bloquant la demande des Français, exigeant un arrêt immédiat des bombardements russes sur Alep. Flora Sauvage. Lors de sa visite en France, Vladimir Poutine claque la porte au nez de François Hollande. Alors que l'exécutif français hésitait sur l'attitude à adopter vis-à-vis du président russe, la réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre. Vladimir Poutine devait venir à Paris le 19 octobre pour inaugurer un centre spirituel et culturel russe orthodoxe dans la capitale. À cette occasion, François Hollande devait s'entretenir avec son homologue russe. Mais c'était avant l'offensive majeure sur Alep. Ces derniers jours, des dizaines de civils ont été tués dans la ville syrienne. La France réclame en vain un cessez-le-feu alors qu'Alep est pilonnée par l'armée de Bachar el-Assad et son allié russe. La Russie oppose le 8 octobre son veto au texte franco-espagnol sur Alep. C'est la cinquième fois que Moscou fait obstacle à une résolution sur le dossier syrien depuis 2011. Échaudée, la France, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, hausse le ton. Finalement, ce matin, l'Élysée annonce que la visite de Vladimir Poutine est reportée sine die. Nora Madi nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Nora. Alors on a entendu François Hollande, c'est une portée symbolique très fort pour le chef de l'État de faire cette déclaration devant le Conseil de l'Europe. Alors oui Delphine, une portée symbolique. Alors cette visite était prévue de longue date et c'est la première visite d'un chef de l'État français au Conseil de l'Europe depuis 1997, depuis Jacques Chirac. Et cette portée symbolique est très forte. Pourquoi? Parce que le Conseil de l'Europe n'est pas le Conseil européen, n'est pas l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, ça rassemble 47 pays d'Europe, ça va jusqu'à la Turquie et ça va aussi jusqu'à la Russie. La Russie est membre du Conseil de l'Europe et le Conseil de l'Europe travaille essentiellement sur les questions de discrimination, de droits de l'homme et surtout de liberté en général. Et donc cette portée symbolique est effectivement très forte car faire ces déclarations devant le Conseil de l'Europe alors que le Conseil de l'Europe accueille la Russie en son sein, c'est quelque chose effectivement d'assez fort. Seul problème, la Russie ne siège plus au Conseil de l'Europe depuis janvier suite à un différend comme on le sait, sur l'Ukraine. L'Ukraine donc, qui a été envahie en partie par Vladimir Poutine et par l'armée russe il y a déjà quelques temps. Donc effectivement, la portée symbolique est très forte. Ouais, et ce n'est pas, Nora, le premier coup de froid entre la Russie et de Vladimir Poutine et la France. Effectivement, Delphine, on se souvient de l'épisode des armes françaises, enfin des sous-marins qui auraient dû être, il y a quelques mois, en fait, livrés à la Russie et qui, suite déjà à la problématique et de l'Ukraine et de la Syrie, et
du soutien en fait indéfectible de Vladimir Poutine à Bachar el-Assad et à son allié, donc Bachar el-Assad syrien, la France avait refusé de livrer des armes qui avaient pourtant été commandées par la Russie, et on était un petit peu resté avec ces armes sur les bras qu'on avait finalement donc vendues à l'Égypte de al-Sissi. Et c'est donc, ça a été le premier coup de froid hein, sur les relations franco-russes, sur ces questions géopolitiques. La France là-dessus est assez en pointe, et donc son positionnement est salué. Et salué, pour rappel, l'ONU, donc ce samedi, la résolution qui aurait dû être votée, enfin qui a été proposée par la France, a été quand même votée par 11 pays sur 15 membres du Conseil de sécurité, et donc la Russie l'a rejetée. Le problème, c'est que dans l'autre sens, il y a ce qu'on appelle le format Normandie. Le format Normandie, c'est un format qui regroupe la Russie, l'Ukraine, l'Allemagne et la France pour ce qui est des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie. Et une prochaine réunion doit se tenir la semaine prochaine sous l'égide d'Angela Merkel à Berlin. Pas sûr pour l'instant que le président français s'y rende. À suivre donc si peut-être à terme on arrivera à trouver une solution et une capacité de discussion entre les deux pays, ce qui n'est pas dit et ce qui est pour le moment assez rejeté dans la classe politique française, où l'on dit que quoi qu'il arrive, il ne faut pas couper le dialogue avec Vladimir Poutine, c'est pas gagné. Merci beaucoup pour cette analyse, Nora. Je vous le disais en titre, les policiers se sont rassemblés un peu partout en France en hommage à leurs collègues attaqués samedi au cocktail Molotov à Évry, à quelques kilomètres de Viry-Châtillon où a eu lieu cette attaque. Ils étaient une centaine de fonctionnaires réunis en silence. Reportage de Julie de Folleville, Gwenaëlle Francius et Jean-Manuel Moreau. Peu importe la couleur et peu importe le bord, à chaque fois que l'on agresse un policier, c'est la République qu'on attaque. Policiers, syndicats des gardiens de la paix ou simples citoyens, ils étaient plus d'une centaine réunis ce midi devant l'hôtel du département de l'Essonne en soutien aux policiers attaqués samedi dernier. Un rassemblement silencieux où le ras-le-bol est palpable. Il y a un collègue qui fait un écart, un pas de travers, il va en prendre plein la tronche. Donc nous on n'est pas là pour ça, on fait notre boulot. Et qu'il y a un peu une justice qui fasse son boulot. Ces personnes-là, ils ont tous les droits mais ils n'ont pas de devoirs. Et nous on a tous les devoirs, on n'a pas de droits. Donc voilà, il y en a marre. Des sanctions fortes et symboliques, c'est en partie ce que réclament les policiers qui espèrent un soutien fort de l'État. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression que notre administration a réellement conscience des problématiques du terrain. Nous manquons cruellement d'effectifs. À chaque visite, que ce soit du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur, nous dénonçons ces difficultés. Mais nous avons des annonces, mais pas de faits concrets. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est des effectifs pour que nos collègues puissent travailler correctement sur le terrain et en toute sécurité. Hier, Manuel Valls a annoncé l'arrivée de 45 policiers supplémentaires en Essonne. Mais pour les syndicats de police, il en manquerait plus de 300 dans ce département. Et justement, la réponse de Manuel Valls cet après-midi, lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a annoncé des moyens supplémentaires, notamment s'il concerne l'équipement des voitures de police. On l'écoute tout de suite. Le ministre de l'Intérieur m'a proposé de nouvelles mesures. Il faut être précis. Elles visent spécifiquement à sécuriser les véhicules et les équipages de patrouille générale intervenant en zone sensible. Concrètement, cela prendra la forme de films anti-caillassage sur les véhicules, voire de blindage dans certains cas. Un travail sur les tenues va également être mené rapidement afin de veiller à ce qu'elles soient intégralement ignifugées. Une réflexion enfin va être engagée sur l'usage possible des caméras mobiles, non plus seulement a posteriori, mais aussi en temps réel. Cela permettra de visualiser à distance les circonstances d'une intervention et les moyens à déployer en renfort le cas échéant. Enfin, un effort supplémentaire, parce que là le retard pris est considérable, va être porté sur les crédits immobiliers. Ils vont augmenter de 15%, c'était prévu dans la loi de finances, permettant de financer aussi la construction ou la rénovation de nouveaux commissariats. Et on va tout de suite retrouver dans notre multiplex Tam Tranui en direct de la salle des conférences. Tam, vous êtes avec le sénateur socialiste de l'Essonne, Michel Berson, pour une réaction à ces annonces du Premier ministre. Oui, effectivement. Que pensez-vous de cette annonce faite par Manuel Valls tout à l'heure lors des questions d'actualité au gouvernement? Le Premier ministre qui dit que les voitures de police en zone sensible doivent avoir un dispositif anti-caillassage et qui propose aussi des tenues ignifugées. Est-ce que c'est suffisant? Mais je pense que le Premier ministre est très réactif et réagit
effectivement face à une situation, je dirais, inédite, où des jeunes ont la volonté de tuer. Ce n'est pas de simple agression que l'on connaît. Est-ce que c'est une réponse longtemps. À la hauteur Mais de ce que vous dites de l'enjeu ? Face à cet enjeu, face à l'importance du problème, je pense qu'effectivement, des véhicules anti-caillassage, des vêtements inifugés, des armes, parce qu'il faut des armes, malheureusement, des armes adaptées, je pense que le Premier ministre, effectivement, a réagi et il faudra maintenant que ces mesures annoncées soient sur le terrain applicables rapidement, très très rapidement. Mais ça ne va pas suffire quand on voit que ce drame de Viry-Châtillon montre justement qu'il y a tout de même des quartiers où les policiers le disent, ils n'entrent plus et quand ils y entrent, on voit ce qui s'y passe. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, selon vous ? On ne peut pas accepter dans notre pays des zones de non-droit, des quartiers fermés où on ne peut plus rentrer. Ça, c'est inacceptable, c'est impossible. En République, ça n'existe pas. Cependant, il y a des difficultés, c'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a des policiers qui commencent à être découragés, qui se demandent si c'est encore bien utile, si leur mission a encore du sens. Je pense qu'il faut soutenir nos policiers qui font preuve de beaucoup de courage. Moi, je pense en ce moment, et je pense quasiment en permanence, depuis 48 heures, à ces deux policiers qui luttent entre la vie et la mort, parce qu'ils ont été grièvement blessés sur l'ensemble du corps. C'est un acte de courage. Ces policiers protègent les Français. Et pour qu'ils puissent protéger plus efficacement les Français, il faut effectivement leur donner les moyens, des moyens supplémentaires, justement, des moyens adaptés. Les policiers de l'Essonne, mais aussi de France, déplorent le manque de moyens, le manque d'effectifs. Alors, que faire ? Alors, on sait, il y a eu des effectifs supplémentaires depuis le début du mandat de François Hollande, mais manifestement, ce n'est toujours pas suffisant. Écoutez, en Essonne, depuis 4 ans, on a créé à peu près autant de postes qu'on en a supprimés au cours des 4 années, des 5 années qui ont précédé l'élection du président de la République, François Hollande. Les efforts ont été réalisés. On a des policiers dans les quartiers, concentrés dans les quartiers, car lorsqu'on crée des postes, ce n'est pas sur l'ensemble d'un territoire, c'est sur les territoires difficiles, c'est sur les territoires sensibles. Et par conséquent, oui, les policiers ont des moyens supplémentaires. Mais il en faudrait toujours plus. Et on ne mettra jamais un policier derrière chaque jeune qui commet des méfaits, j'allais dire des délits, mais malheureusement, ce n'est plus maintenant des délits, ce sont des crimes. Vous parliez d'armes adaptées pour répondre à cette violence. Que pensez-vous de cette proposition de loi de la droite ? Certains proposent de permettre aux policiers de tirer après deux sommations dans certains types de situations. Est-ce que c'est une solution envisageable ? Bon, on ne peut pas transformer, je dirais, nos quartiers en Far West, je dirais, d'une grande préoccupation. C'est pas possible. Je pense que les policiers sont armés, que les policiers puissent faire usage de leurs armes. Ils ont la possibilité de le faire après deux sommations. C'est pas parce que l'on va tirer sur les jeunes que l'on va régler le problème. Je pense que le problème de fond, c'est un travail de long terme, un travail d'éducation, un travail de formation. Il faut que l'école, il faut que les associations dans ces quartiers, eux aussi, disposent de moyens supplémentaires pour que l'on puisse donner un avenir à ces jeunes. Car c'est là le vrai problème. Ces jeunes ne sont pas d'avenir. Et donc, ils commettent, avant des délits, maintenant, malheureusement, des crimes. Merci beaucoup à Michel Berson. C'est d'ailleurs l'un des objectifs du projet de loi débattu en ce moment au Sénat, le projet de loi Égalité Citoyenneté. Merci beaucoup, Tam, pour cette réaction. Pour la première fois, une étude remet en cause le mode de calcul des chiffres du chômage par Pôle emploi. Selon un rapport du Sénat, si les soupçons de manipulation ne sont pas justifiés, ils ne sont pas à eux seuls un indicateur fiable et pertinent du chômage. Jordan Klein. Préciser les chiffres du chômage, c'est l'objectif de la commission d'enquête du Sénat. Aujourd'hui, deux formes d'estimation coexistent. La première, mensuel, est le calcul de Pôle emploi basé sur le nombre de chômeurs inscrits. La deuxième, trimestrielle, établie par l'INSEE, est une donnée statistique, c'est-à-dire réalisée grâce à des sondages, plus communément appelée BIT.
Mensualiser ces deux estimations est une des conclusions du rapport des sénateurs. La proposition très concrète de cette commission d'enquête, c'est d'arriver à avoir une publication qui soit plus riche et qui fait en sorte qu'on se focalise moins sur le commentaire de la catégorie A et qu'on regarde également la dynamique dans les autres catégories. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer une grille d'analyse de lecture, à la fois pour les administrés, pour vous, les médias, et puis pour les décideurs politiques, eh bien une grille de lecture qui soit, je dirais, harmonisée. Pour améliorer le contenu des chiffres du chômage, les sénateurs font plusieurs suggestions. Connaître l'évolution des demandeurs d'emploi dans les catégories A, B et C. Mentionner les mouvements entre chaque catégorie. Ou encore analyser les parcours des demandeurs d'emploi 6 mois après leur formation. La réalité du chômage, elle est difficile à définir. Je ne suis pas sûr que les chiffres BIT ou les chiffres Pôle emploi suffisent à la rendre éclairante. C'est pourquoi nous avons souhaité que l'on puisse avoir chaque année des assises nationales de l'emploi qui regroupent à la fois l'ensemble des acteurs, le patronat, les syndicats, mais aussi les associations, les économistes qui travaillent sur ces questions. L'objectif de ces assises serait d'établir un bilan des politiques de l'emploi et des résultats sur le chômage. Pour l'instant, ces idées ne sont que des propositions, mais elles pourraient alimenter les débats de l'élection présidentielle. Et on reparlera des conclusions du rapport de cette commission d'enquête sénatoriale avec nos invités à 18h. Ça va mieux pour les collectivités locales. Pour la première fois en 15 ans, leurs finances ne sont plus dans le rouge. Il faut dire qu'elles ont compensé la baisse des dotations de l'État par une hausse des impôts locaux. Explication Stéphane Amalian. C'est assez rare pour le souligner, la Cour des comptes approuve les finances des collectivités locales pour 2015. Elles ont réalisé un excédent d'1,5 milliard d'euros, une première depuis 12 ans. Une bonne santé financière grâce à des impôts locaux dynamiques qui ont rapporté plus de 5,9 milliards d'euros et un ralentissement des dépenses de fonctionnement malgré une forte baisse des dotations de l'État. Et les contraintes budgétaires, les contraintes financières font qu'elles ont entrepris des efforts en matière d'une plus grande maîtrise, notamment de leurs dépenses de fonctionnement et de leurs dépenses de personnel. Un sérieux budgétaire qui devra s'accentuer, car les prévisions de la Cour des comptes sont plus pessimistes pour l'année 2016. La participation de l'État va encore diminuer et les impôts locaux devraient être moins lucratifs, moins 4 milliards d'euros par rapport à l'an dernier. Les collectivités sont invitées à poursuivre l'effort déjà amorcé, en limitant notamment les achats de biens et de services, en freinant les subventions et en maîtrisant particulièrement les dépenses liées à la masse salariale. Ces mesures peuvent être des mesures sur les effectifs, c'est-à-dire arrêter la progression des effectifs, qui a été forte des années précédentes, également sur des leviers de la gestion des ressources RH, comme on dit, c'est-à-dire tenir compte de l'impact financier des décisions d'avancement et de promotion, par exemple, travailler sur les heures supplémentaires. La Cour des comptes souligne néanmoins des résultats contrastés entre collectivités. La situation financière peine à s'améliorer pour les régions, qui ont récupéré certaines compétences des départements et de l'État depuis la loi NOTRe. Après Alstom, l'entreprise STX qui détient les chantiers navals de Saint-Nazaire pourrait devenir le nouveau cauchemar économique du gouvernement. Les chantiers sont à vendre et les salariés redoutent de se retrouver sous pavillon chinois. L'État français promet de peser sur le choix du repreneur. Le peut-il vraiment, Jérôme Rabier. Le carnet de commandes est rempli pour les 10 prochaines années et pourtant l'avenir des chantiers de Saint-Nazaire est incertain. Car le groupe sud-coréen STX, propriétaire majoritaire, est lui en liquidation et pourrait vendre ses actifs, dont sa pépite de Saint-Nazaire, à des investisseurs chinois. L'État, qui possède 34% des parts de STX France, refuse d'évoquer une nationalisation, mais promet d'être vigilant par le biais d'un communiqué du ministère de l'Économie. L'objectif du gouvernement n'est pas de devenir actionnaire majoritaire de la société STX France, mais il est de peser dans le choix du repreneur. Une vigilance du gouvernement qui rassure les partisans d'un protectionnisme en cas d'intérêt économique supérieur. C'est le sens du décret Montebourg. D'ailleurs, cette législation qui a parfois été moquée, raillée, vient d'inspirer une législation britannique équivalente qui vise à protéger les intérêts industriels du Royaume-Uni. Donc ces thèmes sont d'actualité. Une forme de protectionnisme raisonnable est à nouveau à l'ordre du jour. La situation peut cependant paraître ubuesque puisque les chantiers de Saint-Nazaire sont déjà majoritairement détenus par un groupe asiatique. Mais la perspective d'un propriétaire chinois inquiète davantage. C'est le risque d'un transfert de technologie.
c'est de voir finalement doucement glisser vers d'autres pays un savoir-faire qui est ancré chez nous. C'est 6000 emplois sur cette région, uniquement sur les chantiers. Donc on ne peut pas être insensible à un sujet de cette nature. L'État, les élus locaux et surtout les salariés des chantiers navals attendent désormais de la justice sud-coréenne de savoir si l'ensemble du groupe STX sera vendu en un lot ou au cas par cas. Une deuxième solution qui serait favorable à d'autres investisseurs européens, dont l'arrivée est vue d'un meilleur œil au gouvernement. On va tout de suite retrouver Tam Train Nuit en direct de la salle des conférences avec le sénateur socialiste de Loire-Atlantique, Yannick Vaugrenard, pour une réaction à ce suspense sursis autour des chantiers STX de Saint-Nazaire. C'est à vous. Oui, Yannick Vaugrenard, alors l'État entend peser sur le choix du repreneur de STX France. Alors l'une des craintes, c'est que le repreneur soit chinois. L'État pourrait alors s'opposer à une prise de contrôle non conforme aux intérêts nationaux. Alors qu'est-ce qu'on craint avec la Chine? On craint des transferts de technologie? On craint effectivement des transferts de technologie parce que la Chine a cette habitude-là. Ensuite, c'est une population tellement importante. Il faut savoir qu'en Chine, l'an passé, il y avait 1 million de croisiéristes. Ça risque de passer à 5 ou 10 millions dans les 5 ou 6 ans à venir. Et puis la Chine a une force de frappe financière qui est extrêmement forte. Mais avant tout, c'est le risque de voir partir toute cette intelligence, toute cette habitude, ces bureaux d'études également, toute cette compétence qui existe sur Saint-Nazaire depuis des années et des années. À court terme, probablement pas, mais à moyen terme, moyen ou long terme, il y a un risque majeur. Et pourquoi est-ce qu'on ne craignait pas ça avec la Corée qui détient actuellement les chantiers de Saint-Nazaire? D'abord parce qu'ils ont une puissance financière qui est plus faible et on voit qu'aujourd'hui ils sont en grande difficulté. Par ailleurs, le poids possible ou éventuelle d'intervention financière est plus faible. Et par ailleurs, ils ont moins l'habitude que nos amis chinois d'intervenir et de capter l'intelligence qui existe. Nous avons aujourd'hui sur Saint-Nazaire un temps d'avance sur l'ensemble des grands chantiers mondiaux qui construisent des bateaux de croisière. Et donc, il faut maintenir à tout prix cette avance que nous avons pour maintenir l'emploi. Et puis, le carnet de commandes est plein pendant 10 ans. Donc la vigilance du gouvernement et de l'État va être extrêmement forte pour que ce soit non pas une opération financière, mais pour qu'il y ait des assurances industrielles pour maintenir ce chantier et ses compétences à Saint-Nazaire, en France et en Europe. À Bercy, certains avaient évoqué le schéma d'une nationalisation partielle. Pourquoi est-ce que ce n'est plus à l'ordre du jour? Vous savez, ce n'est pas à l'ordre du jour parce qu'il n'y a pas urgence. Je viens de le souligner. Nous avons un carnet de commandes qui est plein jusqu'en 2026. La situation est excellente. La compétence tout à fait reconnue. Donc voilà, maintenant, il reste à être vigilant par rapport aux repreneurs, de manière à ce que ça ne porte pas de mauvaises conséquences dans l'avenir. Mais le gouvernement aujourd'hui et l'ensemble des acteurs, que ce soit les syndicaux, acteurs syndicaux, le monde économique, le monde politique, surveillent cette opération comme le lait sur le feu. Véritablement, il faut être prudent, ne pas réfléchir sur le court terme, mais sur le moyen et le long terme. Il faut se méfier des effets d'annonce. Vous savez, nous sommes dans une opération commerciale. Donc il y a des informations qui sont lancées et aussi ce peut être des signes donnés aux Coréens pour bien montrer que la vigilance est extrême et que si besoin est, eh bien, l'État pourrait intervenir pour maintenir cet outil très important en France et sur Saint-Nazaire. Certains avaient également évoqué un rapprochement entre les chantiers de Saint-Nazaire et des CNS. Est-ce que ça aurait pu être aussi une bonne solution selon vous? Tout à fait, ça fait partie des hypothèses. L'autre hypothèse, c'est d'amener avec MSC et Royal Caribbean Cruise Line qui sont des clients importants, les deux clients les plus importants des chantiers de Saint-Nazaire. Et également, pourquoi pas, je pense que ce serait une bonne idée, les chantiers de construction navale militaire, comme c'est le cas avec Fécamp-Thierry, comme c'est le cas en Allemagne également. Ça permet d'élargir la palette de construction et ça serait, me semble-t-il, particulièrement intéressant pour le moyen et le long terme. Merci beaucoup, Yannick Vaugrenard, d'avoir répondu à nos questions. Merci Tam pour cette nouvelle réaction. Et écoutez à présent la réaction du sénateur Les Républicains Bruno Retailleau, président de la région Pays de la Loire. La reprise par l'État, pour lui, doit être la solution de dernier recours, comme il l'a expliqué au micro de Sandra Cerqueira. On l'écoute. Dans la tête des uns et des autres, que ce sont l'État ou les collectivités qui représentent, des voies d'avenir pour les entreprises, on n'est plus, en Union soviétique. Simplement, ce que j'ai dit, c'est que si jamais la région qui est très attachée au chantier, si ces chantiers devaient tomber entre de mauvaises mains,
ce que je ne pense pas, parce que l'État, encore une fois, a une minorité de blocage. Il y a aussi un pacte d'actionnaires, donc l'État a les outils pour s'y opposer. Mais si une solution ne me paraissait pas satisfaisante, je demanderais à ce que la région soit dans le tour de table pour essayer de contrôler au maximum l'évolution d'un chantier naval qui représente 6 à 8 000 personnes chez nous en emploi direct, en emploi indirect, en emploi induit. C'est un des fleurons industriels de notre région des Pays de la Loire, mais aussi de la France et de l'Europe. Et à noter cette bonne nouvelle sur le front de l'emploi, dans un communiqué, Renault annonce le recrutement de 1000 personnes supplémentaires en CDI d'ici la fin de l'année. Dans le reste de l'actualité, inauguration aujourd'hui à Paris d'une salle de consommation à moindre risque appelée salle de shoot par ses détracteurs. Il a fallu attendre 7 ans pour que ce projet voie le jour. Alors le principe de son expérimentation a pourtant été validé dans la loi de modernisation de santé votée en décembre. Voyez ce reportage d'Amélie Revert et Norman Staron. La polémique aura duré 7 ans. Elle prend fin ce vendredi avec l'ouverture de la salle de consommation à moindre risque. Dans cet espace de 400 mètres carrés, jusqu'à 400 toxicomanes pourront venir chaque jour. Encadrés par du personnel médical, la prise de drogue s'effectue en toute sécurité, loin des trottoirs et sanisettes insalubres de la capitale. Ce que nous faisons là est utile. Utile pour ces personnes qui sont dans une situation de désarroi total, parce qu'elles ont une porte qu'elles peuvent franchir, elles peuvent venir ici, elles peuvent être conseillées, elles peuvent être accompagnées et accompagnées aussi vers une vie qui les retirera de ces dépendances et de ces addictions qu'elles ont. Pour ce faire, 12 postes de consommation ont été installés, ainsi qu'une salle d'inhumage et une salle de repos. Les toxicomanes ont accès à du matériel stérile et à usage unique, afin d'éviter tout risque de contamination. Éviter des maladies, éviter des overdoses mortelles, ça n'est pas rien. Et c'est aussi un des objectifs des salles comme celle-ci. Pourtant, la France est en retard. Quand Paris inaugure sa première salle, Berne célèbre les 30 ans de la sienne. Depuis 80 ans ouverts en Europe, que ce soit au Luxembourg ou encore aux Pays-Bas, mais aussi au Canada, tout en rencontrant un franc succès. Des réussites à l'origine du changement de cap du gouvernement pour les membres du monde associatif. On considère qu'une partie de la solution sera du côté de la loi, une partie de la solution sera du côté du soin, mais une partie de la solution sera du côté de quelque chose qui est entre les deux et qu'on appelle la réduction des risques. Et en France, il a fallu beaucoup de temps pour faire entendre cette troisième possibilité et mettre ensuite nos textes juridiques aux normes de cette troisième possibilité, ce qui explique ce retard. D'ici la fin du mois, une autre salle doit ouvrir à Strasbourg, avant l'ouverture d'une troisième à Bordeaux, courant 2017. Alors avant d'en parler avec nos invités sur ce plateau, on passe par la salle des conférences où nous attend toujours Tam Tranui. Vous êtes avec le président de la commission des affaires sociales, Alain Milon, c'est à vous. Oui, effectivement, Delphine. Et en fait, le débat sur les salles de shoot au Sénat il y a un an, vous allez voir, n'a pas été du tout caricatural, puisque le débat avait traversé toute la droite. Alain Milon, d'ailleurs, vous aviez défendu l'expérimentation des salles de shoot, vous opposant d'ailleurs à certains sénateurs de votre camp lors des débats sur la loi santé. Pour quelles raisons ? Parce que je suis médecin. Et parce que je considère que cette idée de permettre aux drogués d'aller dans un hôpital, dans une salle d'hôpital, avec du personnel soignant spécialisé en addictologie, permettrait à ces personnes d'avoir un contact enfin avec quelqu'un qui sait, d'avoir un contact enfin avec quelqu'un qui peut les sortir de cet enfer dans lequel ils se trouvent, d'avoir un contact enfin avec quelqu'un qui peut, à la rigueur, les guérir. Et ce que j'avais dit, vous me le rappeliez tout à l'heure, au Sénat, c'est même si ces salles de shoot ne permettent de sauver qu'un seul drogué, mais c'est une victoire totale. Certains estiment en revanche que le fait que cela soit dans l'hôpital entretient une confusion gênante avec les missions de l'hôpital. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est le Sénat qui a demandé à ce que justement ces salles soient mises à l'intérieur de l'hôpital. Tout simplement parce que l'hôpital a une fonction de soigner tout le monde. Soigner les gens malades, soigner les drogués qui par ailleurs sont des gens malades aussi. Donc cette vocation première d'arriver à faire entrer dans l'hôpital, même dans une salle spécialisée, une personne droguée, c'est déjà la faire entrer dans un processus de soins par la suite. Donc c'est la fonction première de l'hôpital. Oui, c'est ça la difficulté justement à faire venir ces personnes droguées, dites-vous, parce que certains disent aussi qu'il y a de bons services d'addictologie dans les CHU, ils disent que cela suffit, mais justement ces personnes n'y vont pas, c'est ça ? Les services d'addictologie, ce sont des services de soins purs. Mmh.
Ils reçoivent les drogués lorsque ceux-ci sont dans un processus de soins et de sortie de la drogue. Or, avant ce processus de soins... Le déclic est déjà enclenché. Le déclic est déjà enclenché. Il faut pouvoir l'enclencher. Et ces salles-là permettront ce déclic pour certains d'entre eux, pas pour tous évidemment, mais pour certains d'entre eux. On dit aussi que c'est contraire à la juridiction française qui dit qu'on ne doit pas, que les drogues sont interdites et que donc en mettant ça à l'hôpital on donne des drogues, mais on donne des drogues à des drogués, on ne met pas en place la drogue pour ceux qui ne sont pas encore drogués et qui souhaiteraient le devenir, c'est une différence considérable. Alors que répondez-vous à ceux qui craignent de façon légitime des problèmes de voisinage, les riverains, comment les rassurer? Je ne pense pas qu'il y ait véritablement de problèmes de voisinage plus importants que ceux qui existent quand il y a déjà deux groupes de drogués dans la rue. Et pas d'appel d'air nécessairement. Et pas de soins. Ouais. Et pas de gens spécialisés. Je pense qu'au contraire, les drogués qui feront cette démarche d'aller dans ces salles, ce ne seront pas des gens qui feront la démarche de gêner les voisins, bien au contraire. Ils font la démarche pour aller quelque part, peut-être pour rencontrer du personnel soignant, pas obligatoirement pour se retirer de la drogue, mais au moins pour rencontrer des gens qui seront à leur écoute, ce qui n'existe pas actuellement, sauf que c'est plutôt des soignants qui vont directement à l'écoute des drogués sur le trottoir. Là, c'est différent parce que c'est dans une salle spécialisée et c'est un acte volontaire de la part de celui qui se drogue. Ça peut entraîner des résultats important et intéressant. Je sais qu'on me dira aussi qu'il y a des salles de shoot qui n'ont pas réussi à l'étranger. Dans certains endroits, oui, certaines enfermées, notamment à Zurich, oui. Et puis aux Pays-Bas, oui. Où ça n'a pas toujours marché. Mais il y a aussi des endroits où ça a bien marché. Et je pense que ça ne peut marcher que s'il y a la volonté de celui qui se drogue d'y aller et que s'il y a la volonté des gens de l'hôpital d'être là à l'écoute et aux soins si on peut. Merci beaucoup Alain Milon d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam. Alors l'ouverture de cette salle de consommation à moindre risque à Paris va-t-elle permettre un meilleur suivi des toxicomanes ou au contraire banaliser la consommation de drogue et attirer les dealers? On en parle tout de suite avec mes invités. Quatre invités m'ont rejoint sur ce plateau. J'accueille Yves Daudigny. Bonjour, sénateur socialiste de l'Aisne. Merci d'être avec nous. Face à vous sur ce plateau, Gilbert Barbier. Bonjour, vous êtes sénateur attaché au groupe RDSE, sénateur du Jura. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'accueille également Pierre Chappard. Bonjour, vous êtes le président de l'association SAFE. C'est une association de réduction des risques liés à la consommation de drogue. Également auteur d'un ouvrage sur les salles de shoot aux éditions La Découverte. Et enfin, j'accueille Michel Champon. Bonjour Michel Lachance. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Vivre Gare du Nord et Est. Vous êtes une association de riverains. Vous allez nous dire justement si vous êtes finalement rassuré par l'ouverture de cette salle de consommation à moindre risque. On sait que l'opposition des riverains était très forte. Il a fallu attendre de nombreuses années pour que ce projet voie le jour à Paris. Est-ce qu'aujourd'hui les conditions de sécurité autour de cette salle sont assurées selon vous? Écoutez, notre position à nous, Vive Gare du Nord et Est, elle a été construite après beaucoup de débats, mais elle est au fond très simple. Je veux dire par là que nous n'avons pas voulu rentrer dans le débat pour ou contre la salle de consommation à moindre risque. Ça nous paraît être un débat de scientifiques ou d'intellectuels qui n'est pas notre fait. Et nous, ce que nous voulons, ce que nous avons construit, c'est une démarche pragmatique et pratique. Si, après le vote de la loi par le Parlement, l'encadrement réglementaire par le ministre de la Santé, les différents textes qui ont été pris, le cahier des charges très précis qui a été imposé aux gestionnaires de la salle, mais non seulement à eux, à tout l'environnement extérieur de la salle, je veux dire par là, circulaire de politique pénale du ministre de la Justice, protocole avec les services de police, protocole avec les services de voirie, avec les gestionnaires de parking souterrain du quartier, avec les services de transport SNCF, RATP, etc. Si toutes ces conditions sont réunies, et nous y veillerons de manière très ferme et très intransigeante, sont réunies, et si au final la vie de nos compatriotes, au-delà de nos adhérents qui vivent dans ce quartier, est améliorée en termes de santé publique, il y a moins de seringues sur la voie publique, en termes de comportement délictueux, moins de personnes dans les cages d'escalier, dans les commerces, etc., moins de troubles dans les parkings et compagnie,
eh bien, nous considérons que c'est quelque chose qui apportera un plus à la vie des gens du quartier. Donc, vous voyez, je ne me situe pas sur un angle ni philosophique ni dogmatique, mais sous un angle très pratique. Vous attendez de voir, finalement, les effets de l'ouverture de cette salle. Yves Daudigny, je rappelle que vous aviez soutenu en séance publique l'expérimentation de cette première salle à Paris. Pour vous, justement, elle aura pour conséquence moins de nuisances sur la voie publique. Est-ce que vous pouvez peut-être rassurer Michel Champon sur ce point ? Oui, je pourrais rassurer sur ce point, mais c'est une expérimentation. Donc nous allons pouvoir examiner les résultats au fur et à mesure que le temps va passer. Je voudrais souligner pourquoi j'ai apporté mon soutien à ce dispositif. Je ne suis pas médecin comme Alain Milon, comme mon collègue et ami en face de moi. C'est une mesure de santé publique, une mesure de prévention qui entre dans les programmes de réduction des dommages, de réduction des risques pour des personnes qui sont en situation d'exclusion, isolées, éloignées de tout système de soins. C'est en quelque sorte une première marche pour ces personnes-là vers plus de soins, vers la socialisation, vers la réinsertion. On pourra peut-être donner plus de détails. Et puis dire peut-être que c'est une mesure qui se situe dans la continuité, dans la lignée d'autres mesures importantes. Et je voudrais rappeler la vente libre de seringues en pharmacie. C'était Michel Barzac, ministre à les médecins, 1987. Et puis rappeler la mise en place des traitements de substitution. C'était Simone Veil dans les années 90. Oui. Alors Gilbert Barbier, vous au contraire, en séance, vous n'aviez pas soutenu cette proposition faite par Marisol Touraine, notamment en vous basant sur des études faites à l'étranger. Expliquez-nous votre position. Oui, nous avons fait un rapport il y a quelques années avec deux députés et collègue François Pillet, sénateur, sur le problème de la toxicomanie en général. Je crois qu'il faut l'aborder globalement. Mais en cette journée, si vous voulez, je voudrais qu'on pense à ce policier qui est actuellement brûlé, qui est entre la vie et la mort après Viry-Châtillon. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il se battait, on lui demandait de se battre contre le trafic de drogue. Et là, aujourd'hui, on lance cette image, ce message, que finalement, la drogue, c'est pas si mal que ça, qu'on vise simplement... Vous pensez que ça va légaliser, banaliser la consommation de drogue ? Bien sûr. Comment voulez-vous que les jeunes qui vont savoir que maintenant, on peut se faire se shooter dans ces salles, comment voulez-vous qu'on leur fasse passer un message comme quoi il ne faut pas se droguer ? L'histoire de la réduction des risques. Mais je pense qu'un pays comme le nôtre doit avoir une autre ambition que la réduction des risques. C'est à supprimer le risque. C'est-à-dire à prendre en charge ces patients, les considérer comme malades. Parce que ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que cette salle n'est pas à l'hôpital. Elle est adossée géographiquement à l'hôpital, mais elle n'est pas dans l'hôpital. Par contre, nous avons des centres, des CARSAT, qui prennent en charge ces patients, qui peuvent les amener sur la guérison. Je pense que la limitation des risques n'est pas quelque chose de très positif pour notre pays. Oui. Alors peut-être la réaction de Pierre Chappard à ce qu'on vient d'entendre avec ce risque, effectivement, de banaliser la consommation de drogue, à terme de la légaliser. C'est alors ce que pour banaliser la consommation, je ne sais pas, peut-être que vous avez été voir ce qui se passe dans ces salles, mais c'est tout sauf banalisé. C'est quand même des usagers qui sont très précaires. C'est la grande précarité et ça ne fait pas vraiment envie. Ça ne fait pas vraiment envie aux jeunes de ce qui se passe dans ces salles. Donc je ne pense pas que ça te donnera envie de consommer. Au contraire, je pense que c'est un geste pour les jeunes, c'est un geste de solidarité envers les plus précaires, ces salles. Quant à la réduction des risques, elle existe depuis maintenant. Ces salles, elles existent depuis 30 ans. Je pense qu'il y a eu plein de rapports qui montraient. Il y a eu l'INSERM qui a montré que ça marche. Il y a quelques salles qui ont fermé. Ça a été rappelé, notamment les fermetures à Zurich. Le rapport de l'INSERM, ça marche. Et d'ailleurs, Roselyne Bachelot s'est appuyée dessus pour dire à l'époque qu'elle allait lancer l'expérimentation des salles de consommation. À Zurich, il n'y a pas eu de salle de consommation. Je suis désolé, c'était le Platzsplitz, c'était un parc dans lequel les usagers venaient se droguer. Donc c'était complètement hors de contrôle. À Rotterdam, il y a eu des salles de consommation qui ont été supprimées. Mais en fait, c'est parce qu'il n'y avait plus de public, parce qu'elles avaient rempli leur rôle. Alors peut-être Michel Champon, notamment sur le mode de fonctionnement de cette salle, on sait qu'elle ne sera pas ouverte 24 heures sur 24. Est-ce que ça vous inquiète aussi finalement ces horaires avec des risques de nuisance pour les riverains, notamment à la fermeture de cette salle ?
Bien sûr, mais encore une fois, on ne peut pas commencer à parler des inconvénients éventuels alors que la salle n'est même pas en fonctionnement encore. Encore une fois, c'est la situation actuelle qui est dommageable. Est-ce que ça peut attirer davantage, pardon, les dealers ? Est-ce que ça peut attirer davantage les dealers qui se concentrent déjà dans cet arrondissement de Paris ? Mais je vous disais tout à l'heure, et moi je ne suis pas là pour défendre forcément cette position, mais il y a une politique globale qui est mise en place par les pouvoirs publics autour de cette salle, et notamment une implication des forces de l'ordre, des forces de police, appuyée sur une circulaire pénale spécifique du ministère de la Justice, qui a justement pour objet de lutter contre ces éventuelles dérives. Le deal est interdit dans le périmètre de la salle. Les gens ne doivent pas se vendre de la drogue entre eux. Alors évidemment, on peut dire que tout ça, c'est peut-être des choses, des paroles verbales, comme on dit au Quai d'Orsay. Mais encore une fois, give peace a chance, comme disait John Lennon, mais acceptons que les choses fonctionnent, on verra bien. Chacun prendra ses responsabilités. Nous avons eu une réunion la semaine dernière à la mairie où on a installé le comité opérationnel de voisinage. Tous les acteurs étaient là, la justice, la police, etc. Chacun est prêt à jouer le jeu, sur, comme disait le sénateur, sur une expérimentation qui peut apporter un plus à la fois aux habitants et peut-être sortir, parce qu'effectivement, un des axes majeurs de la loi qui a été votée par vous, messieurs les parlementaires en particulier, c'est quand même l'objectif de sortir les gens de ces addictions. Les laisser dans la rue à fumer du crack dans les escaliers et des parkings, je ne vois pas en quoi ça les aide à sortir de leur addiction. Et donc, si on peut faire quelque chose, faire en sorte que la santé publique soit améliorée, qu'il y ait moins d'épidémies, qu'en fin de compte, qu'il y ait moins de frais aussi pour l'assurance maladie, parce que c'est aussi de ça qu'il s'agit, eh bien, il faut prendre et on verra. Mais encore une fois, là où je vous suis, vous avez raison, c'est que nous avons toujours dit, nous serons vigilants et intransigeants, et nous n'accepterons aucune dérive, aucun incident, et nous demanderons à ce que les sujets graves soient traités immédiatement pour qu'on ne vive pas les situations que vous décrivez. Oui. Yves Daudigny, la droite parisienne estime que cette salle va mécaniquement créer une demande et entraîner une augmentation du trafic, une augmentation du nombre de toxicomanes et des nuisances finalement supplémentaires avec un risque de règlement de compte. Non, je ne crois pas, beaucoup de convictions, qu'il s'agisse d'un encouragement à la consommation de drogue. Ces salles ne sont pas ouvertes, ne vont pas être ouvertes demain dans toutes les villes de France sur le thème « Venez essayer la drogue ». Elles s'adressent à des publics marginalisés, en grande difficulté. Elles sont installées dans des quartiers où il y a déjà malheureusement une consommation importante de drogue. Et je voudrais sur le sujet, si vous me permettez, deux phrases, citer la ministre. Il ne s'agit en aucun cas de banaliser la consommation de drogue. Mais fermer les yeux face à une telle réalité sociale et sanitaire ne fera pas disparaître le problème. La France fait donc le choix d'inclure plutôt que d'exclure, d'accompagner plutôt que de stigmatiser. Vous êtes d'accord avec cette phrase de Marisol Touraine, hein, c'est un projet où on ne juge pas, où l'on n'exclut pas, Gilbert Barbier. Je pense que c'est un manque d'ambition de la part de la ministre de la Santé. Moi, je pense que j'ai visité Genève, vous savez, j'ai vu comment ça fonctionnait, K7, je crois que c'est K9. Ça. K9, oui. Je peux vous dire que c'est un spectacle qui est quand même assez affligeant. Parce que là, on a dit ouverture à 12h30, je crois, fermeture à 13h30 ou je ne sais pas quelle heure, et de voir cette file de personnes qui sont dans l'attente, et puis bon, faut être réaliste, et où trouvent-ils la drogue? À Viry-Châtillon? Où est-ce qu'ils vont aller la chercher? Puisqu'ils doivent venir avec leur drogue. Alors c'est peut-être pas dans votre quartier, et monsieur vous utilisez un mot qui me choque en disant que vous allez jouer le jeu. Je peux vous dire que quand on voit ces drogués, c'est pas un jeu. Ce sont des malades, et que ces malades, il faut les prendre en charge, il faut les mettre dans un établissement hospitalier. D'ailleurs, le président de la commission des affaires sociales est bien d'accord là-dessus, parce qu'il s'est battu pour que ça soit à l'intérieur de l'hôpital. Malheureusement, il n'a pas gagné. Et simplement, je crois que c'est véritablement un drame pour la société. Il faut soigner ces malades, il faut pouvoir les sortir de ça. Et moi, j'ai vu à Genève les résultats en matière de sortie de ces patients de cette drogue. C'est infinitésimal. Alors, c'est infinitésimal. Pierre Chappard, hein, c'est vrai qu'il faut...
Pardon, il faut rappeler que cette salle n'a pas vocation à se substituer au service d'addictologie des hôpitaux, mais ça touche qu'il faut. Encore pour se sevrer, encore faut-il rester vivant. Hein, ces personnes, souvent, elles ont essayé de se sevrer première fois, deuxième fois, troisième fois, elles n'ont pas réussi. Sur les overdoses, selon vous. Oui, ça a un impact concret sur les overdoses, sur les contaminations VIH, sur tout ce qu'on peut choper quand on injecte dans la rue. Et il y a des tonnes de maladies qu'on peut choper. Il y a un impact sur tout ça. Voilà, et je ne sais plus ce que je voulais dire du coup, mais... Sur le VIH, je peux vous dire que ces patients qui sont effectivement des patients en très grande détresse, C'est un impact de... En général, ils sont presque tous déjà contaminés, vous le savez très non, bien. Il y a 10% de la population qui est contaminée pour le VIH à Paris, par rapport au sevrage. Ce n'est pas des primo-drogués, c'est des gens qui sont drogués. C'est là on est d'accord. Et bon, peut-être qu'un certain nombre d'entre eux, effectivement, ne sont pas contaminés par ces virus, mais la plupart le sont. Moi, j'ai eu l'expérience de Genève, j'ai vu les patients. Alors, c'est peut-être pas le cas, Gilbert Barbier, ce qui se passe dans le VIH. Il y a le VIH, mais il y a tout, il y a les hépatites, il y a les abcès, il y a les endocardites, il y a les candidoses, enfin, il y a des tonnes de maladies. Par rapport au sevrage, ces salles sont faites pour que les personnes puissent s'en sortir aussi, pour rencontrer un professionnel, pour entamer un parcours de soins. Il y a une étude qui est sur la salle de Vancouver qui montre que quand la salle de Vancouver s'est installée, il y a une augmentation de 30% des demandes de sevrage dans la ville. Donc ça veut dire que ces salles permettent aussi d'accéder au sevrage. Et c'est pas du tout contradictoire. Michel Champon, je voudrais aussi qu'on revienne sur l'articulation qui doit se faire avec la loi de 1970 qui réprime l'usage et le trafic de stupéfiants, puisque les usagers de cette salle ne pourront finalement pas être poursuivis pour usage et détention illicite de drogue. Ça, est-ce que ça peut faire tache d'huile en quelque sorte? Est-ce que c'est un élément qui vous inquiète en tant que représentant des associations? La réponse est très simple. De toute façon... Là, je parle même à la place des parlementaires, parce que c'est la loi qui a traité ce sujet et qui a justement mis en place cette idée d'expérimentation. C'est vrai, dans des conditions qui sont complètement extra-légales par rapport au droit commun, mais encore une fois, appuyé sur une circulaire de politique pénale qui est très précise. Par contre, je m'excuse, mais moi, je n'accepte pas que vous me repreniez sur des expressions que j'emploie. On n'est pas là, je pense, pour faire des effets de manche. Quand je dis jouer le jeu, c'est quoi? Mais encore une fois, je l'ai dit, notre association, elle est légitimiste. Elle est légitimiste. Il y a une loi qui a été votée, il y a des textes d'application, des cahiers des charges. Et nous, quand je dis jouer le jeu, ça veut dire que nous avons une attitude active, dynamique et positive pour vérifier que les choses se passent comme il a été prévu par les pouvoirs publics. C'est quand même pas une manière péjorative ou montée au point d'amateurisme de dire qu'on joue le jeu. Il faut quand même pas exagérer. Nous prenons nos responsabilités parce que nous habitons dans le quartier. Moi, j'habite à 300 mètres de cette salle. Est-ce qu'on veut résoudre un problème d'ordre public ou est-ce que véritablement on veut s'adresser à un public malade? Je crois que c'est là peut-être la grande ambiguïté. Je comprends bien que vous voulez la tranquillité dans votre quartier, etc. Ça peut se comprendre. Mais je pense qu'on doit aller au-delà et que nous avons des patients qui sont... Moi, je considère que ce sont des patients. Ce ne sont pas des drogués ou des gens je ne sais quoi. Ce sont des malades. Et il faut qu'on les prenne en charge. On a des organismes qui existent. Les CARSAT sont des... où les gens peuvent être pris en charge. Peut-être créer des structures un peu plus... formaliser d'internat pour que ces gens puissent sortir de la drogue. C'est quand même l'ambition que devrait avoir un pays comme le nôtre, et non pas simplement de dire on va les parquer ou leur limiter leur droit d'aller à tel ou tel endroit, en sachant qu'effectivement, sur le plan de l'image donnée dans notre pays, ces salles de shoot, c'est catastrophique pour la jeunesse. Yves Dosigny, peut-être une réaction à ce que vient de dire Gilbert Barbier sur cet exemple catastrophique selon son expression justement donnée à la jeunesse, avec ce que je disais, cette articulation supposée avec la loi de 1970 sur la répression des stupéfiants. Mais alors, je ne partage pas ce point de vue en voulant souligner que ces salles de consommation telles qu'elles sont créées par la loi constituent certainement un chaînon qui était manquant au dépistage et à l'aide aux personnes qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Mais ce n'est pas non plus une mesure unique ou la seule mesure de la politique qui est menée par
Marisol Touraine depuis 4 ans, bientôt 5 ans, en matière de lutte contre la drogue. Bien sûr, je suis d'accord avec Gilbert Barbier, il faut mener une guerre implacable contre ceux qui sont à l'origine de ces trafics, ceux qui vendent, revendent la drogue, ceux qui amassent des fortunes. Et il faut prendre toutes les autres dispositions, mais elles sont prises. La loi de financement de sécurité sociale, que nous allons examiner dans quelques semaines, va comporter de nouvelles dispositions pour permettre aux centres d'accueil de délivrer des médicaments aux personnes qui sont dépendantes des produits drogués. Le travail continue. Vous êtes d'accord, Pierre Chappard, le travail continue, toute la prévention. Oui, il faut voir que cette salle, elle n'est pas sur un îlot, il n'y a rien. Cette salle est le maillon de tout un dispositif dans lequel il y a les Carud, il y a les XAPA, il y a les consultations jeunes consommateurs, il y a cette salle de consommation, il y a les lits de sevrage. Et c'est ça qui fait la force de nos dispositifs en France, et c'est cette complémentarité. Et jusqu'à présent, on n'avait pas ces salles. Il nous manquait un chaînon. Ouais. On a parlé de l'ouverture prochaine aussi d'une autre salle d'expérimentation à Strasbourg. Là aussi, vous y êtes favorable, les conditions sont réunies pour voir l'ouverture de cette salle ? Ben oui, il faudrait, il y a une expérimentation de 6 ans, mais il faudrait des salles partout où c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il y a partout, hein, mais ça veut dire partout où c'est nécessaire, dans les grandes villes, là où il y a de la consommation dans l'espace public. Il n'y a pas si longtemps, avant les primaires par exemple, M. Juppé était d'accord pour avoir une salle de consommation dans sa ville. M. Godin Bordeaux. Aussi, à Marseille. Comment ça se fait que vous restreignez ça aux grandes villes ? Pourquoi c'est parce qu'en fait, vous ne pensez pas que dans les villes moyennes comme la mienne, il y a des gens qui se droguent comme ça, qui se piquent tous les jours ? Alors, si, mais en fait, il faut qu'il y ait un problème. Elles viennent résoudre deux problèmes. C'est le gros problème. Les Suisses ont bien vu le problème, c'est qu'ils ont créé quelques salles, mais ils savent très bien que sur une partie du territoire, ma foi, les gens n'ont pas de porte de soins. Vaudrait mieux les prendre. Il faudrait donc peut-être étendre l'expérimentation, Gilbert Barbier, pour l'expérimentation à combien ? Combien va-t-il falloir ouvrir de salles avec le coût que ça représente ? Déjà avec une salle à Paris. Est-ce qu'à Paris, vers les gens du quartier ? Non. Est-ce qu'à Paris, on va drainer tous les drogués de la région parisienne ? C'est limité à 200, je crois. Oui, sait que ces salles n'attirent pas les usagers. Elles doivent effectivement accueillir 200 personnes par jour, ce sont les chiffres. Pour reprendre, pourquoi pas dans les petites villes et les moyennes villes ? Parce que ces salles viennent résoudre deux problèmes. Un problème sanitaire et un problème de mieux vivre ensemble pour améliorer la vie des riverains. Voilà, parce que ces salles viennent là où il y a de la consommation dans l'espace public, de manière assez importante. Dans les petites et les moyennes, il n'y en a pas. Voilà. Il n'y en a pas ? Il y en a très peu. Par rapport à ce qu'il y a à Paris ? Proportionnellement, je suis bien d'accord avec vous. Gilbert Barbier. Ce n'est pas un argument, ce n'est pas une question de quantité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les drogués, ils exercent sur tout le territoire. Bien sûr. La consommation de drogue, elle n'est pas réservée à la région parisienne. Non, elle existe aussi en milieu rural, on est d'accord. Mais bien sûr. Mais sauf que ce n'est pas des salles comme ça qu'il faut. Les gens qui se piquent et qui vont se fournir. Voilà. Mais ce n'est pas uniquement pour les gens qui se piquent, c'est ça. Je pense qu'en France, nous avons un système de santé, nous avons des hôpitaux, nous avons des Carud, nous avons des CARSAT, et que nous avions une architecture qui permettait de prendre en charge ces malades. Il fallait peut-être compléter, augmenter le nombre de places. Mais on institue là un système qui est du non-droit. Vous savez qu'on disait la même chose en 87 avec Michel Barzac. Je suis libre de mes opinions, je ne me réfugie derrière personne. J'ai ma réflexion en tant que médecin, je dois dire, et qu'à partir de là, je considère qu'on règle le problème d'ordre public, certes, je comprends que les riverains soient d'accord, mais on verra ce que ça donne par la suite, parce que on a vu ce qui s'est passé, notamment à Genève, sans parler de Zurich, qui était effectivement un cas un peu particulier. Mais nous avons un problème d'ordre public, il faut peut-être le régler. Nous avons un problème de prendre en charge des patients qui sont malades. Et pour les soigner, il faut les mettre dans des établissements hospitaliers. Gilbert Barbier, on arrive bientôt au terme de ce débat. Michel Champon, est-ce que vous pensez que les riverains sont suffisamment apaisés, qu'ils ne s'opposeront pas vendredi à l'ouverture de cette salle ? Est-ce qu'il risque d'avoir des manifestations, Vous savez, dans les riverains, il y a de tout. Il y a un collectif, d'ailleurs le collectif La Riboisière, qui est violemment contre cette salle. Nous-mêmes, nous avons des adhérents qui habitent dans le quartier, à la proximité, qui ont une position extraordinairement prudentielle par rapport à ça. Donc il faut que les choses s'installent, il faut que les choses fonctionnent de manière correcte. Et encore une fois, on verra.
Et je pense que l'amélioration de la situation, si elle existe vis-à-vis des riverains, elle leur permettra de prendre en compte et de s'approprier le fonctionnement de cette salle, qui encore une fois n'est pas un but en soi. Hein. Là, je suis d'accord avec le sénateur, c'est sûrement pas un but en soi, c'est sûrement pas l'alpha et l'oméga de ce qu'il faut faire pour lutter contre ce fléau abominable qu'est la drogue. Comme je disais souvent à mes collaborateurs, il est toujours possible de ne rien faire. En tout cas, là, ça permet de mettre sur la table quelque chose qui peut régler un certain nombre de problèmes. C'est peut-être un mot de conclusion avec oui, vous, nous n'avons peut-être pas assez souligné la présence dans la maison d'une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire de médecins, d'infirmiers, de travailleurs sociaux, d'éducateurs, qui peuvent établir un premier contact avec la personne en difficulté et peut-être tenter d'établir un climat de confiance. Alors, ce n'est pas la solution à tous les problèmes, ne soyons pas jusqu'au boutiste, on ne va pas en mettre partout, mais au moins, faisons l'expérience. La France est le 10e pays à ouvrir de tels établissements. Il en existe à peu près une centaine aujourd'hui dans le monde, avec des réussites diverses. Faisons au moins l'expérience, c'est le sens de la loi que nous avons votée. Eh bien, merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau pour en débattre. On va tout de suite prendre la direction de l'hémicycle du Sénat. Vous le savez, la suite de l'examen du projet de loi Égalité et Citoyenneté a repris hier. Alors pour en parler, on retrouve tout de suite Saveria Rojec. Bonjour Saveria. Alors les discussions se poursuivent, notamment autour de la loi SRU. Eh bien, le Sénat a instauré un contrat d'objectifs et de moyens et la gauche a crié l'enterrement de la loi SRU. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi. Absolument Delphine. Les sénateurs sont en plein examen de l'article 29. Alors l'article 29, vous venez de le dire, c'est le cœur du projet de loi sur la mixité sociale. Concrètement, c'est le fameux plafond de 25% de logements sociaux, mais cette fois-ci dans la construction. Le gouvernement a voulu renforcer la loi SRU dans les villes où la demande est la plus forte. Et bien les sénateurs, en commission, ont supprimé ce plafond. Exit donc l'obligation de 25% de construction. Ils ont imaginé donc un nouveau mécanisme dans lequel ce plafond tout d'abord passerait de 15 à 25% à travers, vous l'avez dit, les fameux contrats d'objectifs et de moyens. L'idée est en fait d'adapter les besoins au cas par cas en fonction du parc existant. En clair, c'est s'adapter à la réalité du terrain. C'est d'ailleurs exactement comme ça que s'en défend la commission. À ceux qui voudraient diaboliser les travaux de la commission spéciale en disant que nous avons détricoté l'article 55 de la loi SRU, que nous avons porté atteinte au fondement même de l'article 55 de la loi SRU, à ceux qui veulent nous diaboliser en disant aussi que nous avons fait haro sur le logement social, eh bien je réponds que ce que nous avons voulu faire, c'est libérer les élus locaux, les maires, des contraintes productivistes et des contraintes financières imposées par l'article 55 de la loi SRU, renforcée en 2013, qui, je vous le rappelle, impose 25% de logements sociaux d'ici 2025 avec un quintuplement des sanctions financières. Et donc c'est ce que nous on a voulu faire. Les différences entre les départements sont tellement considérables. Elles sont encore plus fortes à des échelles plus fines que bien évidemment les objectifs qui sont aujourd'hui imposés à la plupart des communes sont véritablement intenables. Voilà des objectifs intenables, faux, rétorque le gouvernement et la gauche, pour qui la décision des sénateurs va à l'encontre même de la philosophie du texte. Je vous propose d'écouter le sénateur communiste Christian Favier. La majorité de droite de la commission n'a poursuivi qu'un seul objectif, enterrer au plus vite la loi SRU. Et pour cela, évidemment, tout est bon. Exonération très élargie pour davantage de communes, sous des prétextes les plus divers, insuffisance de transport, insuffisance de demande, donner plus de temps alors même que la loi Duflot a rallongé les délais de 5 ans, décompter plus de logements, l'accession à la propriété, les résidences universitaires, les aires d'accueil et pourquoi pas les camping-caravaning. Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, exit les obligations de construction. Tout est renvoyé à une simple négociation contractuelle avec les préfets. Autant dire que les maires hors la loi ont de beaux jours devant eux. Car en effet, les sénateurs ont décidé en commission que les aires d'accueil des gens du voyage, oui, les aires d'accueil, devaient entrer dans le décompte des logements accessibles aux personnes modestes. Et puis enfin, sachez que toujours dans ces articles, les sénateurs ont refusé l'aggravation des sanctions financières pour les communes qui ne se plient pas à la loi. Voilà Delphine, donc pour cette partie sur le logement social.
beaucoup, Saveria. Et justement, je vous propose de réécouter la passe d'armes qui a eu lieu cet après-midi dans l'hémicycle entre le sénateur Les Républicains de Seine-Saint-Denis, Philippe Dallier, et la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse. L'extrait, aujourd'hui, sélectionné par Alexandre Poussard. Est-ce que l'objectif de 25% en 2025 est tenable pour les communes qui sont soumises à l'article 55 de la loi SRU? C'est ça la question. Et mon cher collègue Favier, pour vous répondre et sortir de la caricature, lorsqu'il s'agit de démontrer quelque chose, c'est parfois compliqué. Lorsqu'il s'agit de démontrer le contraire, un contre-exemple suffit. Alors je vais vous en donner un contre-exemple. Et c'est celui de ma commune. Il y a 15 ans, 5% de logements sociaux. Aujourd'hui, 15%. J'ai toujours respecté les objectifs triennaux. Et je respecterai le dernier qui se termine en 2016 avec 300 logements sociaux mis en construction. La commune a pris 30% de population en 20 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire quand on est au milieu de la Seine-Saint-Denis à 10 km de Paris? Voilà ce que j'ai fait. Nous avons utilisé tous les moyens, construit, racheté des bâtiments anciens, les confié à un bailleur social. On a tout utilisé. Mais je vous dis aujourd'hui que pour moi, atteindre 25% en 2025, c'est pas possible. Pour une raison simple, si je veux préserver la mixité sociale au milieu de la Seine-Saint-Denis, et si je veux faire 50% de social, 50% de logements en accession, il faut que je construise 2400 logements d'ici 2025. En 9 ans, monsieur Favier, c'est impossible, je vous le dis. Je remercie notre rapporteur d'avoir choisi la solution du contrat d'objectif entre l'État et les collectivités locales. C'est une idée que je portais depuis longtemps. Elle est ici traduite dans la réalité et dans la discussion, vous verrez qu'il ne s'agit pas d'exonérer tout le monde. Et j'en ai assez qu'on ne parle de ce sujet qu'à cause des quelques maires, ils ne sont pas si nombreux, qui répètent haut et fort qu'ils ne veulent rien faire. À force de continuer comme vous êtes en train de faire, vous dégoûterez de ceux qui ont fait et qui veulent faire, de continuer à faire. Et on a aujourd'hui deux visions différentes. Et y compris, je pense que pour essayer de vous convaincre, même si je ne suis pas sûre d'y arriver, je crois important quand même de rappeler quelques chiffres et aussi pourquoi la loi SRU est si importante. La loi SRU, qui a été portée notamment par Louis Besson, avait pour objectif de produire dans l'ensemble des territoires qui ont des demandes en logement très fortes, la construction de logements sociaux. Et quand on dit logements sociaux, c'est logement pour les familles, logement pour les étudiants, logement pour les personnes âgées. Le logement social, c'est un ensemble de types de logements avec des loyers modérés. La réalité, même s'il y a des difficultés dans certains territoires, c'est que la loi SRU, dans sa grande majorité, fonctionne. Et vous l'avez dit, monsieur Dallier, une grande majorité de ces villes ont déjà franchi les objectifs fixés pour 2025 et d'autres sont en train de le faire. Et la question, elle est en effet de savoir pourquoi certaines communes ont décidé dès 2001 et toujours en 2016 de ne pas appliquer cette loi. Ça, c'est une question. Deuxièmement, vous me dites que ça ne sert pas. La réalité, c'est que la loi SRU, elle a permis de construire un grand nombre de logements sociaux. Elle a permis aussi de remettre de l'équilibre dans les territoires. Le vrai sujet, ce n'est pas que l'application de la loi SRU dans des petites communes qui sont elles-mêmes rattachées à une très grosse agglomération. Et il faut être très clair qu'avec l'évolution des EPCI, ça a bouleversé un certain nombre de sujets. Mais notre problème aujourd'hui, c'est des communes qui ont 50 000, 60 000, 80 000 habitants et qui, depuis 15 ans, ne veulent pas construire les logements sociaux qu'elles doivent construire. Il y en a encore, vous le savez bien, il y en a encore. Et là-dessus, il me semble que c'est justement sur ce point-là qu'il faut être intraitable. Et si vous voulez avoir les chiffres, monsieur Dallier, je vous les donne tout à l'heure. Je remarque, madame la ministre, que vous ne me répondez jamais sur les exemples que je donne. Mais c'est la vérité. Vous préférez toujours utiliser l'argument de la poignée de maires qui ne veulent pas faire. Ça vous évite de parler du fond du sujet. Et ça, franchement, ça me dérange, ça me déçoit, parce que nous sommes là pour légiférer. Et nous devons effectivement produire des textes qui sont applicables à l'ensemble de nos communes, sans les envoyer dans le mur. Madame la ministre, 200 et quelques communes carencées sur 1115. Je fais le pari avec vous et avec mes collègues que début 2017, le nombre de communes carencées sera multiplié, à mon avis, par deux. Pour la période triennale suivante, vous verrez, je pense qu'on sera aux alentours de 600 communes. Pourquoi? Et c'est ce que dit le CGED. Parce que les objectifs que vous leur demandez d'atteindre sont inatteignables pour de bonnes raisons, parce qu'on ne peut pas construire autant dans un délai aussi court.
Vous êtes toujours en direct sur Public Sénat. Merci à vous si vous nous rejoignez tout de suite. Le rappel des titres de cette édition de Sénat 360. Grève du zèle et rassemblement de policiers devant les commissariats de France. Témoignage de leur solidarité après l'attaque de leurs collègues en Essonne. Manuel Valls promet des moyens supplémentaires. Les voitures vont être équipées de dispositifs anti-caillassage, assure le Premier ministre. Reportage et réaction à suivre. Suite de l'examen en séance du projet de loi égalité et citoyenneté, un texte dans lequel les sénateurs continuent de s'affronter violemment sur la question des quotas de logements sociaux. Nous serons en direct de l'hémicycle dans un instant. Les chiffres mensuels de Pôle emploi ne sont pas à eux seuls un indicateur fiable et pertinent du chômage, selon un rapport du Sénat qui recommande à l'opérateur public de mieux communiquer et à l'INSEE de publier ses propres statistiques plus révélatrices. Le détail dans cette édition. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter, hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex, c'est tout de suite. Mais avant de développer tous ces titres, l'annulation de la visite de Vladimir Poutine à Paris jette un coup de froid sur les relations diplomatiques entre la France et la Russie. Depuis Strasbourg, en marge d'une réunion du Conseil européen, François Hollande a réagi. On l'écoute. Je considère que le dialogue est nécessaire avec la Turquie, mais avec la Russie. Mais il doit être ferme et franc, sinon il n'a pas sa place. Sinon, c'est un simulacre. Je suis donc prêt à tout moment à rencontrer le président Poutine. Mais si nous avons la possibilité de faire avancer la cause de la paix, de faire cesser les bombardements et de proclamer la trêve. Alors comment en est-on arrivé à ce refroidissement des relations diplomatiques? La venue de Vladimir Poutine était devenue un casse-tête pour Paris après le veto russe au Conseil de sécurité de l'ONU bloquant la demande des Français d'un arrêt immédiat des bombardements russes sur Alep. Flora Sauvage. En annulant sa visite en France, Vladimir Poutine claque la porte au nez de François Hollande. Alors que l'exécutif français hésitait sur l'attitude à adopter vis-à-vis du président russe, la réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre. Vladimir Poutine devait venir à Paris le 19 octobre pour inaugurer un centre spirituel et culturel russe orthodoxe dans la capitale. À cette occasion, François Hollande devait s'entretenir avec son homologue russe. Mais c'était avant l'offensive majeure sur Alep. Ces derniers jours, des dizaines de civils ont été tués dans la ville syrienne. La France réclame en vain un cessez-le-feu alors qu'Alep est pilonné par l'armée de Bachar el-Assad et son allié russe. La Russie oppose le 8 octobre son veto au texte franco-espagnol sur Alep. C'est la cinquième fois que Moscou fait obstacle à une résolution sur le dossier syrien depuis 2011. Échaudée, la France, par l'intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères, hausse le ton. Finalement, ce matin, l'Élysée annonce que la visite de Vladimir Poutine est reportée sine die. Je vous le disais en titre, les policiers se sont rassemblés un peu partout en France en hommage à leurs collègues attaqués samedi au cocktail Molotov à Évry, à quelques kilomètres de Viry-Châtillon où a eu lieu cette attaque. Ils étaient une centaine de fonctionnaires réunis en silence. Reportage de Julie de Folleville, Gwenaëlle Francius et Jean-Manuel Moreau. Peu importe la couleur et peu importe le bord, à chaque fois que l'on agresse un policier, c'est la République qu'on attaque. Policiers, syndicats des gardiens de la paix ou simples citoyens, ils étaient plus d'une centaine réunis ce midi devant l'hôtel du département de l'Essonne en soutien aux policiers attaqués samedi dernier. Un rassemblement silencieux où le ras-le-bol est palpable. Il y a un collègue qui fait un écart, un pas de travers, il va en prendre plein la tronche. Donc nous on n'est pas là pour ça, on fait notre boulot et qu'il y a un peu une justice qui fasse son boulot. Ces personnes ils ont tous les droits mais ils n'ont pas de devoirs. Et nous on a tous les devoirs, on n'a pas de droits. Donc voilà, il y en a marre. Des sanctions fortes et symboliques, c'est en partie ce que réclament les policiers qui espèrent un soutien fort de l'État. Aujourd'hui, nous n'avons pas l'impression que notre administration a réellement conscience des problématiques du terrain. Nous manquons cruellement d'effectifs. À chaque visite, que ce soit du Premier ministre ou du ministre de l'Intérieur, nous dénonçons ces difficultés. Mais nous avons des annonces, mais pas de faits concrets. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est des effectifs pour que nos collègues puissent travailler correctement sur le terrain et en toute sécurité. Hier, Manuel Valls a annoncé l'arrivée de 45 policiers supplémentaires en Essonne. Mais pour les syndicats de police, il en manquerait plus de 300 dans ce département.
Et la réponse du Premier ministre, c'était tout à l'heure à l'Assemblée nationale lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Il a promis des équipements pour les voitures de police. On écoute. Le ministre de l'Intérieur m'a proposé de nouvelles mesures. Il faut être précis. Elles visent spécifiquement à sécuriser les véhicules et les équipages de patrouille générale intervenant en zone sensible. Concrètement, cela prendra la forme de films anti-caillassage sur les véhicules, voire de blindage dans certains cas. Un travail sur les tenues va également être mené rapidement afin de veiller à ce qu'elles soient intégralement ignifugées. Une réflexion enfin va être engagée sur l'usage possible des caméras mobiles, non plus seulement a posteriori, mais aussi en temps réel. Cela permettra de visualiser à distance les circonstances d'une intervention et les moyens à déployer en renfort le cas échéant. Enfin, un effort supplémentaire, parce que là, le retard pris est considérable, va être porté sur les crédits immobiliers. Ils vont augmenter de 15%, c'était prévu dans la loi de finances, permettant de financer aussi la construction ou la rénovation de nouveaux commissariats. Et dans notre multiplex, on prend tout de suite la direction de la salle des conférences du Sénat où nous attend Tam Tranui. Vous êtes avec le sénateur Les Républicains, ancien ministre Gérard Longuet, c'est à vous. Oui, Gérard Longuet, d'abord votre réaction à ces annonces de Manuel Valls à l'instant, le Premier ministre qui annonce des tenues ignifugées pour les policiers, des voitures avec des dispositifs anti-caillassage en réponse au drame de Viry-Châtillon. Est-ce que ça vous paraît suffisant ? Bon, à tout prendre, mieux vaut que les policiers soient équipés, mais le fond du problème, c'est qu'on découvrira vraisemblablement que les auteurs de ce crime ont déjà été arrêtés 50 fois, punis par la justice 12 fois et que rien ne se passe. Et donc le problème, c'est une politique d'ensemble pour mettre hors non appliquer la loi, hors nuisance des professionnels du crime. Donc ce n'est pas une réponse à la hauteur, selon vous, il faut que ce plus global. C'est très technique et c'est ponctuel. Ce qui devrait être global, c'est que le parquet soit actionné par le garde des Sceaux pour faire appliquer la loi à toutes les étapes, c'est-à-dire pour poursuivre, pour condamner et pour veiller à l'exécution des peines. Alors Gérard Longuet, vous êtes également président du groupe d'amitié avec la Russie. Quel regard portez-vous sur ce coup de froid diplomatique entre Paris et Moscou? Vladimir Poutine qui a annulé son déplacement prévu de longue date à Paris, car l'Élysée fait savoir que le seul sujet à discuter, c'est la guerre en Syrie. Vous le comprenez, vous le regrettez? Je le déplore parce que la France est une amie de la Russie et la Russie très souvent a été notre allié utile. Nous commémorons la Première Guerre mondiale, on doit s'en souvenir. Maintenant, que nous ayons des désaccords entre la Russie et la France, c'est possible. La Russie reste un grand pays avec lequel il faut discuter. La façon dont le président Hollande a traité assez légèrement la relation franco-russe en confiant à la presse des états d'âme, ce n'était pas ce que l'on attend d'un président de la République qui engage notre pays tout entier. La Russie continuera d'exister malgré la tragédie d'Alep qui, entre nous, est une tragédie partagée par tous ceux qui n'ont pas su faire cesser la guerre à temps. Le gouvernement fait valoir qu'il fallait hausser le ton. François Hollande a déclaré que le veto russe a empêché l'arrêt des bombardements en Syrie. Il parle de crimes de guerre à Alep. Pour vous, ce n'était pas le ton adéquat? C'est une guerre civile. C'est une guerre civile. Une guerre est toujours tragique. Et lorsque la France bombarde en Irak ou en Syrie, elle bombarde aussi des populations dont tous ne sont pas des combattants. Il ne faut pas mettre la pression sur la Syrie dans ce contexte, sur la Russie dans ce contexte, pardon. La Russie a fait un choix, c'est d'aider les seules troupes qui, au sol, combattent effectivement Daesh. Ce choix, je le comprends, et la France devrait y réfléchir. À force de condamner tout le monde et de jouer les saints, nous avons les mêmes impropres, mais nous n'avons aucune responsabilité. Est-ce que, à l'instar d'Alain Juppé, vous regrettez le recul de la voix française sur la scène européenne et mondiale? C'est ce qu'il a déclaré récemment. Il aurait fallu de la continuité dans cette affaire du Proche-Orient. Nous avons changé d'appui, changé d'analyse, changé d'allié. Et aujourd'hui, en effet, notre voix est inaudible. Sur ce point, Alain Juppé a raison. Merci beaucoup, Gérard Longuet, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Tam, pour cette réaction en direct. Christophe Soulez, responsable de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, est notre invité. Il répond aux questions de Michael Zames. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour, Christophe Soulez. Bonjour. Je vais revenir sur les annonces de Manuel Valls. Est-ce que, selon vous, elles sont suffisantes pour répondre au drame qui a eu lieu?
toujours mieux que rien. Tout ce qui peut améliorer à un moment donné la protection des fonctionnaires de police, notamment ceux qui travaillent dans les quartiers sensibles, est une bonne chose à prendre. Donc c'est vrai qu'en ce qui concerne notamment la pose de films anti-caillassage ou les tenues inifugées dont les CRS notamment disposent déjà, c'est plutôt voilà, un point positif. Après, ça ne réglera pas le problème de fond, qui est le problème de l'économie souterraine et de la guerre des territoires. On va y venir, mais sur le fond et sur la forme des annonces. Vous dites tout à l'heure, à l'instant, que les CRS sont déjà équipés. Ça veut dire que la police qui travaille dans les quartiers aujourd'hui, la police du quotidien, si on peut dire, elle n'était pas équipée. C'est ça où là, on peut se rendre compte qu'il y avait un vrai problème. Oui, bah c'est vrai qu'il y a de toute façon une différence très importante entre je dirais, l'équipement des fonctionnaires de la sécurité publique, qui sont près de plus de 60 000, et les unités spécialisées, qui bénéficient généralement de moyens beaucoup plus importants qu'effectivement les brigades de roulement, ou même si les brigades anticriminalité, par exemple, se sont vues quand même dotées récemment d'équipements et de matériel importants. Ces policiers qui ont été attaqués, notamment à Viry-Châtillon, ce sont les grands oubliés de la police ? Oui, on peut dire ça. C'est vrai que la sécurité publique n'est pas nécessairement la spécialité dans la police qu'on a le plus privilégiée, alors que c'est elle qui représente, je dirais, la masse des fonctionnaires de police. Parce que c'est elle qui est attaquée aujourd'hui. Oui, tout de suite. Oui, tout à fait. Mais c'est elle qui est vraiment le plus proche à un moment donné des questions de territoire. C'est elle aussi qu'on a vu intervenir même au moment des attentats. C'est souvent elle qui est en première ligne, en tout cas qui est en première intervention. Et c'est vrai que c'est celle-ci aujourd'hui, je pense, sur lequel aussi des efforts doivent être portés, notamment là encore sur les questions de moyens, d'équipement et comme l'a rappelé le Premier ministre également sur les questions d'immobilier. Est-ce qu'il y a de quoi inverser le rapport de force avec les délinquants aujourd'hui? Ça sera long, mais il y a toujours moyen, bien entendu, parce que l'État est fort quand même, qu'on est également dans un pays où on a quand même, malgré ce que peuvent dire parfois les syndicats, voilà, des forces de police et des unités de gendarmerie qui sont quand même en nombre. On a également, heureusement pour nous, mais des policiers qui sont des vrais professionnels. Le problème, c'est que l'action doit s'inscrire dans un temps véritablement long, notamment lorsqu'il s'agit de lutter contre le trafic de stupéfiants, qui s'est quand même bien enraciné dans nos quartiers. C'est ça, selon vous, qui crée aujourd'hui le traumatisme qu'il y a dans les quartiers? C'est d'abord ce que vous parliez des trafics souterrains, d'abord le trafic de stupéfiants, parce qu'on peut imaginer que c'est à cause de cela que les policiers ont été touchés. Oui, il semble, en tout cas, l'enquête véritablement nous le dira, mais les premières pistes ont effectivement confirmé que c'est notamment pour protéger, à un moment donné, une économie, pour protéger ce qu'on appelle le business, et pour faire en sorte, je dirais, de chasser hors du territoire des personnes qui sont considérées comme étrangères à celui-ci, que ces incidents ont eu lieu dès l'instant. Voilà, où les policiers viennent perturber à un moment donné une activité économique qui rapporte de l'argent, bah, effectivement, ces policiers sont agressés. De mémoire, c'est une première ce qui s'est passé ou pas ? Avec une telle violence, oui, mais... On est monté d'un cran, parce qu'a priori, là encore, on verra la qualification du parquet, mais il y a vraiment une volonté à un moment donné délibérée d'attenter à la vie, ou en tout cas de blesser très grièvement des fonctionnaires de police. Soyons francs, ils voulaient tuer des policiers ? Vous les tuez du flic, comme certains emploient cette expression. S'ils ont jeté des cocktails Molotov, et si en plus ils ont empêché, comme il se dit, les policiers éventuellement de sortir de leur véhicule, c'est qu'effectivement il y avait une volonté délibérée. Voilà. En revanche, le fait d'agresser des policiers, de jeter des cailloux, de jeter des projectiles, d'essayer de les repousser hors du territoire de la cité, n'est pas quelque chose. En revanche, de nouveau, les policiers y sont confrontés quotidiennement depuis maintenant plus de 30 ans quasiment. Viser la police, c'est défier la République, défier l'État? Oui, c'est défier l'État, c'est défier l'ordre social, c'est vouloir imposer dans un quartier un autre ordre que celui, je dirais, de la République, instaurer des règles propres à un moment donné à des organisations criminelles ou à des bandes qui représentent quand même généralement une minorité d'individus au sein d'un quartier, il ne faut pas l'oublier. Le Premier ministre disait hier qu'il n'y a pas de zone de non-droit, et vous, vous en pensez quoi ? Non, il n'y a pas de zone de non-droit en tant que telle, puisque s'il y avait des zones de non-droit, on n'aurait pas de policiers blessés. Donc il y a des zones, effectivement, par contre, où les lois de la République sont beaucoup plus difficiles à appliquer que sur d'autres territoires, et où les conditions d'intervention des fonctionnaires de police sont beaucoup plus difficiles. Donc ça, c'est vrai qu'il y a des territoires, je dirais, qui essayent à un moment donné de faire sécession, on pourrait dire, mais les zones de non-droit, véritablement, la police et la gendarmerie, parfois, et notamment la police, sont les seuls services publics à encore essayer, en tout cas, d'être présents dans ces territoires, même si c'est difficile. Essayer encore d'être présent, c'est là où on imagine qu'il y a encore des difficultés. Que peut faire l'État de plus aujourd'hui ? À part envoyer plus 15% d'effectifs, est-ce qu'on peut aller encore plus loin ? Oui, on peut aller encore plus loin en matière de police judiciaire, donc pour essayer de démanteler les réseaux, parce que c'est que comme ça qu'on arrivera à un moment donné à régler la situation, c'est en faisant tomber les organisations criminelles, les réseaux, les caïds. Et puis c'est également peut-être pour la police aussi, dans ces quartiers, essayer de rétablir une relation, je dirais, de confiance, une relation sereine avec les habitants qui ne participent pas à un moment donné au quartier et qui sont susceptibles de donner à la police des renseignements, hein, parce que
c'est ça aussi qui est important, des informations qui pourraient permettre après d'aboutir notamment à des procédures judiciaires. Vous vous rappelez de ce débat sur la police de proximité, on revient dessus ? Il faut c'est un tout. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir, à un moment donné, dans ces quartiers-là, avoir une police qui est complètement coupée de la population, comme on ne peut pas avoir qu'une police qui fasse que du relationnel. Donc je crois qu'il faut sortir, à un moment donné, du dogmatisme. Et c'est en multipliant, à un moment donné, les stratégies et les moyens d'action qu'on parviendra, justement, à essayer de juguler un phénomène qui est très ancien. Aujourd'hui, pour rassurer les policiers, les forces de l'ordre, les habitants des quartiers, les mesures qui ont été annoncées, est-ce qu'elles sont suffisantes ? C'est un début. Moi, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin, notamment en matière de collecte de l'information criminelle, en matière de police judiciaire. Je pense que l'efficacité de la police ne repose pas exclusivement sur le renfort d'effectifs sur la voie publique. C'est vraiment en essayant de monter des affaires qu'on arrivera à démanteler les réseaux et à restaurer la paix sociale dans ces quartiers. Merci Christophe Soulet. Je vous rappelle que vous êtes le responsable national de l'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci beaucoup, Mickaël. Et pour poursuivre cet entretien, on retrouve à présent Tam Tranui avec les sénateurs Les Républicains de Paris, Philippe Dominati, qui a suivi de très près cette question des crédits alloués à la gendarmerie et à la police. C'est à vous. Et Philippe Dominati, d'abord votre réaction aux annonces de Manuel Valls à l'instant. Dispositif anti-caillassage pour les voitures de police, tenue unifugée pour les policiers qui interviennent dans les zones sensibles. Est-ce que ça vous paraît suffisant ? Est-ce que c'est une réponse à la hauteur ? Non, je crois que ce n'est pas une réponse adaptée. Et c'est regrettable parce que c'est la deuxième fois en 48 heures que le gouvernement ne trouve pas la bonne tonalité pour répondre à des incidents aussi graves. Après le terme malheureux du ministre de l'Intérieur en parlant de sauvageons, je pense que les mesures qui sont des mesures de protection et des mesures défensives ne correspondent pas à l'attente des populations et des personnels en charge de la sécurité. Alors à gauche, on fait valoir les baisses des effectifs policiers sous la précédente mandature. Sous la droite, les effectifs qui ont fondu entre 2008 et 2012. Est-ce que vous reconnaissez sur ce point une erreur ? Non, d'abord la situation n'était pas la même. Au moment où la droite faisait des efforts, c'était lié à une crise économique et tous les ministères faisaient des efforts et c'était l'ensemble de la fonction publique. Deuxièmement, c'est la fameuse RGPP. Voilà, on se deuxièmement, il n'y avait ni le terrorisme, ni la crise migratoire et la situation sécuritaire n'était pas la même. La question des effectifs, c'est un peu un alibi. C'est un alibi parce qu'avec les effectifs, il faut les commander et leur donner de bonnes orientations et un bon environnement pour qu'ils puissent exercer leur mission. Ce n'est pas le cas selon vous aujourd'hui ? Ce n'est pas le cas, parce que je vous rappelle quand même que depuis peu, le garde des Sceaux, Mme Taubira, a quitté et qu'il y avait une ligne judiciaire qui était suivie par la gauche pendant des années dans ce pays qui dénotait un certain laxisme et les forces de l'ordre avaient le sentiment d'être pas suivies. Il n'y avait pas la complémentarité entre la sécurité et la justice. C'est quand même le premier point. Deuxièmement, il y a une réaction tardive en termes d'effectifs et de moyens de la part de l'État. Il a fallu le drame du Bataclan pour qu'on corrige, mais après il faut former des gens. Or, il n'y a pas eu de réaction après Charlie Hebdo. Il y a eu, je vous rappelle que le budget qui était présenté devant les assemblées, l'Assemblée nationale ou le Sénat, la veille du Bataclan, était inférieur en progression à celui du ministère de la Culture. Mais le gouvernement a changé de braquet depuis. Alors, heureusement, le gouvernement a changé de braquet. Il faut répondre à une crise avec des moyens d'exception, et sur ce plan-là, il faut le faire. Le temps de former, mais à effectif constant, il faut donner des moyens. Parce que ce qui se passait, c'est qu'on augmentait les effectifs au détriment des moyens de fonctionnement et d'investissement. Et donc le ratio était différencié. Il y avait plus d'effectifs, mais moins d'équipements et moins d'investissements. Alors là aussi, il a fallu corriger. Et en réalité, on voit bien qu'il y a un problème de commandement et de déploiement des forces. En l'occurrence, dans le drame de l'Essonne, on ne voit pas en quoi des effectifs supplémentaires auraient été, je dirais, auraient permis de faire face à la situation. C'est une violence d'ailleurs inédite. Il y a certains policiers qui disent que ça fait 12 ans que je travaille là-bas, jamais je n'ai vu ça. Oui, oui, cette volonté de tuer. Oui, je vous rappelle néanmoins qu'il y a quelques mois, en marge des manifestations sur la loi El Khomri, à La République, une voiture de police avec deux agents à l'intérieur ont été prises à partie par des groupuscules, qu'elle a été incendiée devant les caméras, je dirais, du monde entier. Ces images ont fait le tour du monde. Quelle adaptation, quelles mesures, quelles instructions ont été données par le pouvoir pour répondre et donner des instructions claires dans ce cas-là? J'observe également qu'un certain nombre de syndicats de police appellent à une grève, à des manifestations. C'était le cas
entre Charlie Hebdo, entre les événements de Charlie Hebdo et les attentats du Bataclan. Je vous rappelle que quelques mois avant le Bataclan, je dirais toutes les forces de police étaient découragées, se réunissaient à Place Vendôme et que le président de la République avait dû intervenir. Merci beaucoup hein, Philippe Dominati d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Après Alstom, l'entreprise STX qui détient les chantiers navals de Saint-Nazaire pourrait devenir le nouveau cauchemar économique du gouvernement. Les chantiers sont à vendre et les salariés redoutent de se retrouver sous pavillon chinois. L'État français promet de peser sur le choix du repreneur, mais le peut-il vraiment ? Élément de réponse avec Jérôme Rabier. Le carnet de commandes est rempli pour les 10 prochaines années. Et pourtant, l'avenir des chantiers de Saint-Nazaire est incertain. Car le groupe sud-coréen STX, propriétaire majoritaire, est lui en liquidation et pourrait vendre ses actifs, dont sa pépite de Saint-Nazaire, à des investisseurs chinois. L'État, qui possède 34% des parts de STX France, refuse d'évoquer une nationalisation, mais promet d'être vigilant par le biais d'un communiqué du ministère de l'Économie. L'objectif du gouvernement n'est pas de devenir actionnaire majoritaire de la société STX France, mais il est de peser dans le choix du repreneur. Une vigilance du gouvernement qui rassure les partisans d'un protectionnisme en cas d'intérêt économique supérieur. C'est le sens du décret Montebourg. Hein. D'ailleurs, cette législation qui a parfois été moquée, raillée, vient d'inspirer une législation britannique équivalente qui vise à protéger les intérêts industriels du Royaume-Uni. Donc ces thèmes sont d'actualité. Une forme de protectionnisme raisonnable est à nouveau à l'ordre du jour. La situation peut cependant paraître ubuesque puisque les chantiers de Saint-Nazaire sont déjà majoritairement détenus par un groupe asiatique. Mais la perspective d'un propriétaire chinois inquiète davantage. C'est le risque d'un transfert de technologie. C'est de voir finalement doucement glisser vers d'autres pays un savoir-faire qui est ancré chez nous. C'est 6000 emplois sur cette région, uniquement sur les chantiers. Donc on ne peut pas être insensible à un sujet de cette nature. L'État, les élus locaux et surtout les salariés des chantiers navals attendent désormais de la justice sud-coréenne de savoir si l'ensemble du groupe STX sera vendu en un lot ou au cas par cas. Une deuxième solution qui serait favorable à d'autres investisseurs européens, dont l'arrivée est vue d'un meilleur œil au gouvernement. Ça va mieux pour les collectivités locales. Pour la première fois en 12 ans, leurs finances ne sont plus dans le rouge. Il faut dire qu'elles ont compensé la baisse des dotations de l'État par une hausse des impôts locaux. Explication Stéphane Amalian. C'est assez rare pour le souligner, la Cour des comptes approuve les finances des collectivités locales pour 2015. Elles ont réalisé un excédent d'1,5 milliard d'euros, une première depuis 12 ans. Une bonne santé financière grâce à des impôts locaux dynamiques qui ont rapporté plus de 5,9 milliards d'euros et un ralentissement des dépenses de fonctionnement malgré une forte baisse des dotations de l'État. Et les contraintes budgétaires, les contraintes financières font qu'elles ont entrepris des efforts en matière d'une plus grande maîtrise, notamment de leurs dépenses de fonctionnement et de leurs dépenses de personnel. Un sérieux budgétaire qui devra s'accentuer, car les prévisions de la Cour des comptes sont plus pessimistes pour l'année 2016. La participation de l'État va encore diminuer et les impôts locaux devraient être moins lucratifs, moins 4 milliards d'euros par rapport à l'an dernier. Les collectivités sont invitées à poursuivre l'effort déjà amorcé, en limitant notamment les achats de biens et de services, en freinant les subventions et en maîtrisant particulièrement les dépenses liées à la masse salariale. Ces mesures peuvent être des mesures sur les effectifs, c'est-à-dire arrêter la progression des effectifs qui a été forte des années précédentes, également sur des leviers de la gestion des ressources RH, comme on dit, c'est-à-dire tenir compte de l'impact financier des décisions d'avancement et de promotion, par exemple, travailler sur les heures supplémentaires. La Cour des comptes souligne néanmoins des résultats contrastés entre collectivités. La situation financière peine à s'améliorer pour les régions, qui ont récupéré certaines compétences des départements et de l'État depuis la loi NOTRe. La droite sénatoriale est-elle en train d'enterrer la loi SRU? C'est en tout cas ce que pense la gauche ici au Sénat à l'occasion de l'examen du projet de loi égalité et citoyenneté. Alors pour en parler, on retrouve tout de suite Saveria Rojek, toujours en direct de la tribune de presse. Saveria, on a entendu la violence des échanges cet après-midi, toujours autour de cette question des quotas de logements sociaux. Absolument Delphine. Alors en fait, le gouvernement a voulu renforcer la loi SRU dans les villes où la demande est la plus
plus forte. Les sénateurs en commission ont supprimé le plafond de 25% de construction. Ils ont imaginé un nouveau mécanisme dans lequel ce plafond passerait, ou en tout cas se situerait entre 15 et 25% à travers les fameux contrats d'objectifs et de moyens. L'idée est en fait de déterminer les besoins en fonction, les besoins au cas par cas, en fonction du parc existant, en fonction de chaque commune, en clair, de s'adapter à la réalité du terrain. Faux, rétorque le gouvernement à la gauche, pour qui la décision des sénateurs va à l'encontre même de la philosophie du texte. Mais les amendements du gouvernement pour revenir à cette version initiale et à ce plafond, cette obligation de 25% de construction, viennent à l'instant d'être retoqués. Et puis enfin, sachez que toujours dans ces articles sur le logement, les sénateurs ont refusé l'aggravation des sanctions financières pour les communes qui ne se plient pas à la loi. Voilà Delphine, donc pour ces articles qui concernent le logement social dans le projet de loi Égalité et Citoyenneté. Merci beaucoup Savaria pour toutes ces précisions. Pour la première fois, une étude remet en cause le mode de calcul des chiffres du chômage par Pôle emploi. Selon un rapport du Sénat, si les soupçons de manipulation ne sont pas justifiés, ces chiffres ne sont pas à eux seuls un indicateur fiable et pertinent du chômage. Jordan Klein. Préciser les chiffres du chômage, c'est l'objectif de la commission d'enquête du Sénat. Aujourd'hui, deux formes d'estimation coexistent. La première, mensuelle, est le calcul de Pôle emploi basé sur le nombre de chômeurs inscrits. La deuxième, trimestrielle, établie par l'INSEE, est une donnée statistique, c'est-à-dire réalisée grâce à des sondages, plus communément appelée BIT. Mensualiser ces deux estimations est une des conclusions du rapport des sénateurs. La proposition très concrète de cette commission d'enquête, c'est d'arriver à avoir une publication qui soit plus riche et qui fait en sorte qu'on se focalise moins sur le commentaire de la catégorie A et qu'on regarde également la dynamique dans les autres catégories. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer une grille d'analyse, de lecture, à la fois pour les administrés, pour vous, les médias, et puis pour les décideurs politiques, eh bien une grille de lecture qui soit, je dirais, harmonisée. Pour améliorer le contenu des chiffres du chômage, les sénateurs font plusieurs suggestions. Connaître l'évolution des demandeurs d'emploi dans les catégories A, B et C. Mentionner les mouvements entre chaque catégorie. Ou encore analyser les parcours des demandeurs d'emploi 6 mois après leur formation. La réalité du chômage, elle est difficile à définir. Je ne suis pas sûr que les chiffres BIT ou les chiffres Pôle emploi suffisent à la rendre éclairante. C'est pourquoi nous avons souhaité que l'on puisse avoir chaque année des assises nationales de l'emploi qui regroupent à la fois l'ensemble des acteurs, le patronat, les syndicats, mais aussi les associations, les économistes qui travaillent sur ces questions. L'objectif de ces assises serait d'établir un bilan des politiques de l'emploi et des résultats sur le chômage. Pour l'instant, ces idées ne sont que des propositions, mais elles pourraient alimenter les débats de l'élection présidentielle. Et on ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Eliane Giraud, bonsoir. Vous êtes sénatrice socialiste de l'Isère. Vous êtes membre de la commission d'enquête qui a travaillé sur cette question des chiffres du chômage. On va en parler dans un instant. Philippe Dallier est également sur ce plateau. Bonsoir. Sénateur Les Républicains de la Seine-Saint-Denis et rapporteur de cette commission d'enquête. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également sur ce plateau, Stéphane Ducaté, bonsoir. Vous êtes le directeur des statistiques, des études et de l'évaluation à Pôle emploi. Merci d'être sur ce plateau. Première question pour vous d'ailleurs, vous avez pu prendre connaissance de ce rapport, de cette commission d'enquête sénatoriale qui pointe des anomalies dans les méthodes de calcul de Pôle emploi. Alors quelle est votre réaction? Est-ce que vous êtes surpris par les conclusions des sénateurs? Parce que ce que nous avons noté, nous, tout d'abord, c'est que le rapport pointe la fiabilité et la sincérité des chiffres qui sont publiés par Pôle emploi. Pas de soupçon de manipulation, pour reprendre l'expression des sénateurs. Non, il y a vraiment ce point qui est noté de fiabilité et de sincérité. Qui montre que Pôle emploi publie bien le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi. Et le rapport souligne également tous les efforts qui ont été réalisés en la matière pour sécuriser toutes les procédures de contrôle et également pour faire évoluer la publication de manière à ce qu'elle soit plus lisible, plus claire et plus pertinente, que l'information puisse être mieux analysée. Est-ce que vous êtes d'accord quand les sénateurs, je vais vous donner la parole dans un instant, Philippe Dallier parle d'anomalies, notamment en ce qui concerne par exemple la catégorie C, qui contient des personnes qui travaillent à temps plein, voire certaines en CDI et qui ne devraient pas avoir leur place alors, dans
dans cette catégorie. Il ne s'agit absolument pas d'anomalie, puisque à Pôle emploi, nous comptons le nombre de demandeurs d'emploi inscrits, et ces personnes sont inscrites à Pôle emploi. Donc dès lors qu'elles sont inscrites, il est tout à fait légitime pour nous de les comptabiliser. Et d'ailleurs, vous avez vu que depuis le début de l'année, dans la publication, nous publions également le nombre d'heures qui ont été travaillées par ces personnes. Alors on peut aller au-delà, hein, comme le suggère le rapport. Effectivement, nous aimerions bien pouvoir donner de l'information sur la nature du contrat de travail, ce que sont des CDI, des CDD. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, ces données ne sont pas collectées. Donc si on veut en disposer, eh bien, il faut pouvoir soit faire évoluer l'actualisation du demandeur d'emploi, de manière à ce que le demandeur d'emploi nous donne cette information, soit aller vers les employeurs pour récupérer l'information. Ce n'est pas pour tout de suite. Philippe Dallier. Alors, sincérité des chiffres, oui. Il n'y a pas de manipulation des chiffres. Fiabilité des chiffres. Là, on peut quand même en discuter parce que la méthode d'actualisation est quand même un processus assez particulier. Il y a eu en mai 2015 une légère difficulté parce que Pôle emploi a relancé plusieurs fois les chômeurs parce qu'ils s'inquiétaient de voir les compteurs qui n'avançaient pas suffisamment. Donc, sur la fiabilité, c'est autre chose, mais ce n'est pas là l'essentiel. On a d'un côté le fameux chiffre des catégories A, 3,5 millions de chômeurs, que l'on commande tous les mois et on ne parle que de ce chiffre-là. Vous avez les associations de chômeurs et certains qui disent « Oui, mais c'est bien plus que ça. Si vous additionnez toutes les catégories de Pôle emploi, vous avez 6 200 000 personnes. » Et puis vous avez un troisième chiffre, qui est celui au sens du Bureau international du travail, qui permet de mesurer le nombre de chômeurs dans chacun des pays européens selon les mêmes manières. Et là, on nous donne 2 800 000 chômeurs en France. Donc on a des chiffres très différents. Et ce que nous disons, c'est qu'on souhaiterait que Pôle emploi fasse des efforts pour éclairer, pour expliquer ce que sont les 6 200 000 inscrits à Pôle emploi. Parce que comme on l'a dit, il y a des gens qui n'ont pas du tout de boulot, il y a des gens qui ont des contrats à temps partiel, mais il y a aussi des gens qui ont des CDI et qui travaillent à temps plein, mais qui veulent bénéficier des services de Pôle emploi. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Sur les allocataires du RSA, on peut estimer, par un calcul approximatif que nous avons fait, qu'il y a à peu près 700 000 allocataires du RSA qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Les jeunes de moins de 25 ans qui ne sont pas indemnisés au chômage, un très grand nombre ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Donc on voit bien que le seul chiffre de la catégorie A, et même les chiffres cumulés jusqu'à la catégorie E, ne nous informent pas suffisamment. Et ce que nous souhaitons, c'est effectivement avoir plus de chiffres pour mieux mesurer l'efficacité de nos politiques publiques. Parce que c'est ça le but. C'est pas savoir pour savoir, c'est mesurer l'efficacité de nos politiques publiques. Avant de venir à cet aspect politique publique, votre réaction, Éliane Giraud, sur ces chiffres, hein, ce n'est pas un indicateur fiable et pertinent du chômage. Vous êtes d'accord avec les conclusions de la commission d'enquête? Oui, on est d'accord. Je crois, d'abord, on a travaillé ensemble pendant de longs mois. On a cherché vraiment à approfondir les choses, je crois, dans cette commission d'enquête de manière correcte. Et c'est vrai qu'on a vérifier aussi avec les anciens ministres l'absence, j'allais dire, de choses qui étaient un peu dans l'air en disant on ne sait pas ce qui s'est passé au moment du bug, etc. Je crois qu'on a clarifié les choses. Et ça me paraît un travail important et qui était nécessaire et qui nous permet aujourd'hui de partir sur une base d'analyse, en tous les cas, qui figure dans ce rapport, que nous partageons. Ouais. Hein, sur cette première partie du rapport. Ouais. Stéphane Ducaté, aujourd'hui, quand on voit eh bien, que les sénateurs estiment que les statistiques publiées par l'INSEE de manière trimestrielle représentent davantage la situation économique des chômeurs en France, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision? Ben, sont des indicateurs, le chômage BIT et les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, qui sont complémentaires. Alors, il est vrai que pour les économistes, le chômage BIT est la mesure du chômage. La référence. Les demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, c'est aussi une réalité de la situation du pays. Mais sur ce point, moi, je partage aussi le constat hein, qu'on s'attache beaucoup trop, je pense, à l'évolution mensuelle hein, du chiffre des chômages. Et c'est vrai qu'à Pôle emploi, on a même ce regret que le rapport n'aille pas jusqu'à proposer une publication trimestrielle. Hein, on s'est posé la question, si vous voulez, dire. Alors que vous notez justement que le rythme mensuel a dans les faits peu de signification économique. Ceci étant Philippe Dallier, alors, c'est vrai que... On s'est posé la question de la publication trimestrielle. Mais si la commission d'enquête avait proposé de ne plus publier le chiffre de Pôle emploi mensuellement, on nous aurait accusé de vouloir casser le thermomètre du chômage. Et ça, c'était pas ça possible. Ça m'appelle effectivement une autre question, Philippe Dallier. C'est vrai qu'on ne peut pas écarter le contexte électoral dans lequel se situe ce rapport. Ça aurait été peut-être un
moyen, en cas d'alternance, de se dédouaner de cette publication mensuelle qui peut être très anxiogène pour le futur ministre du Travail ? Non, absolument pas. Et au contraire, nous préconisons que l'INSEE, qui fournit aujourd'hui un chiffre trimestriellement, se mette en capacité de nous donner un chiffre chaque mois. Et comme en Angleterre, c'est déjà le cas, qu'on ait la publication des deux chiffres en même temps. Il y a une chose qu'il faut remarquer, le chiffre au sens du BIT, c'est 2 800 000 chômeurs. Les catégories A de Pôle emploi, 3 millions et demi. Pourquoi cet écart ? Il faut travailler autour du halo du chômage pour mesurer l'efficacité de nos politiques publiques. Oui. Voilà pourquoi on souhaiterait que Pôle emploi nous fournisse, par exemple, les transferts d'une catégorie à l'autre. Oui. Est-ce que c'est pas en mesure de le fournir ? Ils en disposent, mais ils ne le communiquent pas. Par exemple, que quelqu'un en catégorie A ait retrouvé un emploi à temps partiel, le passage de la catégorie A à B, on souhaite le savoir. De la catégorie A à D, pour ceux qui ont bénéficié d'une formation, on souhaite le savoir. Cette information n'était pas publique. Elle nous a été transmise. Donc, et on souhaiterait également, et ça c'est important, quand un chômeur bénéficie d'une formation, ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qu'il devient après ? Est-ce qu'il retrouve un boulot à temps plein, à temps partiel ? Est-ce qu'il n'en retrouve pas ? Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais si on veut mesurer l'efficacité de Pôle emploi et des services qui dispensent ces formations, on a besoin de ces infos, de ces données-là. Alors peut-être la réponse de Stéphane Ducaté, et ensuite je vous donnerai la parole à Eliane Giraud sur la deuxième partie de la réponse. Nous sommes tout à fait... tout à fait d'accord sur ce point, ce qui nous paraît important, effectivement. Est-ce que l'institution, l'opérateur public que vous êtes, est prêt à évoluer ? Au-delà de même des transitions, parce que je pense qu'il y a quand même une difficulté à interpréter les transitions, et ce qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir analyser les trajectoires des demandeurs d'emploi. On a un marché du travail qui bouge très très vite, et les actifs ont des parcours qui, ils passent, ils vont tantôt en formation, ils exercent plusieurs métiers, ils vont connaître plusieurs emplois, avoir plusieurs période de chômage malheureusement dans leur vie, et c'est vrai que c'est important pour ça de pouvoir analyser les trajectoires. Et donc sur le sujet de la formation, nous diffusons chaque année une enquête qui donne justement des informations sur le devenir des bénéficiaires de formation, avec des taux de reclassement qui sont tout à fait positifs. On est à près de 60% 6 mois après la fin d'une formation, et nous sommes tout à fait prêts à enrichir nos publications de manière à pouvoir donner des éléments de manière plus régulière sur les retours à l'emploi après une formation. Moi, je crois que le travail que nous avons fait montre une chose, c'est que le chiffre est important. On s'est mis d'accord sur une base, je crois, qui est aujourd'hui qui n'est pas soumise à suspicion. Le travail de Pôle emploi, moi, je l'ai trouvé remarquable. On est allé voir Pôle emploi, je suis aussi allée dans mon département. Il y a eu un travail ces dernières années qui est considérable. Et je crois qu'il faut continuer, c'est-à-dire que s'attacher à ce qu'il y a derrière ce chiffre du chômage, c'est-à-dire aux personnes, au parcours des personnes, à leur évolution, à leur, difficultés, et qu'on ait une vision. Et ça revient, on retourne vers une analyse plus fine des catégories. C'est aussi regarder comment, finalement, les situations des uns et des autres peuvent aussi être bougées. Parce que ce qu'il y a de pire aujourd'hui, et moi je trouve qu'il y a vraiment une grande difficulté, c'est de ne plus avoir le moral, c'est le déclassement, c'est le fait qu'effectivement on a l'impression qu'on ne peut pas sortir de situations difficiles. Donc je crois qu'au-delà du chiffre, il y a effectivement les solutions que nous n'avons pas... examiné dans le rapport, mais que nous devons, sur lequel nous devons réfléchir. Tout à l'heure, vous disiez, ça pourrait être un débat d'une campagne électorale, mais pourquoi pas ? Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, si quelqu'un avait des solutions toutes faites, on aurait déjà réglé les problèmes. Donc, je crois que c'est pas exactement, si vous voulez, aussi facile. Donc, il y a aussi une partie au rapport. Voilà, sur l'harmonisation des politiques européennes en matière de lutte contre le chômage. Alors, est-ce que vous préconisez ? C'est d'abord une étude comparative. On a choisi 3 pays européens, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Italie, pays dans lesquels des réformes structurelles importantes ont été menées. Alors, en Allemagne, on remonte aux années 2003, 2005, 2006. En Italie, c'est plus récent. Mais on a voulu aller dans ces pays pour voir comment ces réformes avaient été mises en œuvre, si elles expliquaient les résultats obtenus. Parce que, notamment pour l'Allemagne et la Grande-Bretagne, il faut rappeler que si en 2008-2009, au dur de la crise, elles ont connu une augmentation du chômage, depuis dans ces pays, le chômage est retombé aux alentours de 5%, quasiment le plein emploi. Donc, effectivement, les conclusions qui sont dans le rapport, c'est que la concentration dans le temps des réformes structurelles, concernant aussi bien l'efficacité du service public de l'emploi que l'allègement des charges, par exemple, mais aussi les politiques actives,
Et parfois, les incitations très fortes et les obligations faites aux demandeurs d'emploi, comme l'assouplissement... Avec des conditions plus strictes d'indemnisation Avec aussi, des conditions plus strictes d'indemnisation. En tous les cas, dans ces pays-là, dans un espace-temps réduit, la concentration de ces réformes a probablement contribué fortement à la réduction du nombre des demandeurs d'emploi. Ouais. Alors après, c'est une étude comparative. Ouais. Chacun peut en tirer les conclusions qu'il souhaite pour la France et la Commission n'est pas allée jusque-là. Mais en tous les cas, nous avons ces données issues de nos déplacements. Eliane Giraud, c'est la partie du rapport sur laquelle vous n'étiez pas forcément d'accord. Non, c'est une partie du rapport qui effectivement peut induire des conclusions totalement différentes, parce que quand on regarde si vous voulez l'État, et quand on compare ces pays, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a bien quelquefois une baisse faciale du chômage, mais la baisse faciale du chômage, elle n'implique pas forcément une baisse des inégalités salariales, au contraire, elle n'implique pas, j'allais dire, des difficultés globales sur le marché du travail. Donc je crois qu'il faut qu'on reste sur le sérieux qui a été le sérieux de notre commission d'enquête et qu'on continue à travailler et approfondir, j'allais dire, l'ensemble de des propositions. Je crois que ça laisse le champ ouvert et à la limite qu'il y ait le débat public, c'est pas forcément une mauvaise chose. Oui. Alors Stéphane Ducaté, sans prendre position peut-être sur les politiques publiques de lutte contre le chômage, est-ce que vous avez un regard sur le service public de l'emploi dans les pays qui ont été cités, est-ce que ce sont des modèles qui pourraient vous inspirer ? Non, je pense que ça, c'est un débat qui appartient aux politiques. Politique. Hein. que nous, en tant que statisticiens, on est là justement pour leur donner la meilleure information de manière à ce qu'ils puissent... Mais peut-être qu'on regarde comment les calculs se font aussi dans les pays européens, nos voisins, Stéphane Ducaté. Oui. En Allemagne, par exemple, pendant la crise 2008-2009, ils ont mis le paquet sur le service public de l'emploi. Mmh. Ils ont recruté des milliers de conseillers sur des contrats relativement courte durée pour accompagner très fortement les demandeurs d'emploi. De la même manière qu'en parallèle, ils accentuaient les obligations faites aux demandeurs d'emploi. Une fois que la courbe du chômage s'est vraiment inversée pour le coup, jusqu'à atteindre 5%, effectivement, ces contrats n'ont pas forcément été renouvelés. Donc il y a une flexibilité dans l'organisation globale du système en Allemagne, et aussi bien d'ailleurs le patronat que les syndicats que nous avons rencontrés nous l'ont dit, qui est beaucoup plus grande qu'ici, et ça je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer. En même temps, pour conclure, Eliane Giraud. Oui, en même temps, la situation en Allemagne n'est pas tout à fait la même. La population active n'a pas la même structure. C'est certain. Femmes ne travaillaient pas. Enfin, je crois qu'on a des différences qui sont extrêmement importantes. Et quant aux résultats, moi, je pense que s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Donc, il faut effectivement travailler sur la politique économique, et c'est bien ce qui a été fait avec le pacte de responsabilité, avec le CICE. Donc, je crois qu'il y a un travail qu'il ne faut pas oublier, qui est la dynamique économique de notre pays. Et ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que derrière les chiffres du chômage, si vous n'avez pas de... il y a effectivement aussi toute cette politique sur laquelle on a beaucoup travaillé et qui a fait aussi qu'on a créé des emplois. Moi, j'étais dans mon département, c'est 12 000 emplois avec le plan embauche PME. C'est quand même pas rien. Mais c'est ce que je disais au début. Très rapidement. C'est le fait, effectivement, d'avoir fait beaucoup de réformes structurelles en même temps. En Allemagne, ils ont baissé les charges, modifié le code du travail, modifié les obligations faites aux chômeurs, renforcé le service public de l'emploi. C'est tout cela qui a fait que la mécanique est repartie. On a bien dans d'autres conditions qu'ici, c'est d'accord. Ça ferait l'occasion d'un autre débat. Merci à tous les trois. Michel Grossian va nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Michel. Bonsoir. Dans un instant, l'invité de l'épreuve de vérité, un candidat à l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon. Oui, le candidat de la France insoumise. Alors nous lui demanderons de nous préciser quels seraient les contours de la France insoumise, si bien sûr il parvenait au pouvoir. Mais avec Jean-Luc Mélenchon, il y a beaucoup de questions qui s'imposent. Et notamment, on a très envie de l'entendre sur la crise diplomatique actuellement, vous le savez, entre Paris et Moscou. Lui considère que Vladimir Poutine peut régler le problème en Syrie. Est-ce qu'il le pense toujours au vu des derniers événements et des bombardements du jour à Alep? Et puis, plus globalement, bien sûr, il nous donnera son avis sur les relations entre François Hollande et Vladimir Poutine. On l'entend, on l'attend également sur d'autres sujets, comme par exemple les zones de non-droit, et avec les revendications de la police aujourd'hui, notamment après ce drame épouvantable qui s'est déroulé dans l'Essonne. Merci beaucoup, Michel. L'épreuve de vérité, c'est donc à suivre sur Public Sénat, en direct à partir de 18h30. C'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, retour sur les temps forts de la séance, aujourd'hui consacrée à l'examen du projet de loi égalité citoyenneté. Vous allez le voir avec ces nombreuses passes d'armes autour des quotas de logements sociaux. Bonne soirée à tous. Nous abordons avec cet article 29 le cœur de ce texte qui a fait l'objet, on le sait, de modifications les plus profondes par la commission spéciale.
La majorité de droite de la Commission n'a poursuivi qu'un seul objectif, enterrer au plus vite la loi SRU. Et pour cela, évidemment, tout est bon. Exonération très élargie pour davantage de communes sous des prétextes les plus divers, insuffisance de transport, insuffisance de demande, donner plus de temps alors même que la loi Duflot a rallongé les délais de 5 ans, décompter plus de logements, l'accession à la propriété, les résidences universitaires, les aires d'accueil et pourquoi pas les camping-caravaning. Enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, exit les obligations de construction. Tout est renvoyé à une simple négociation contractuelle avec les préfets. Autant dire que les maires hors la loi ont de beaux jours devant eux. Qu'est-ce qu'a voulu faire la commission spéciale ? Elle a voulu privilégier une approche pragmatique, en lien et au contact des réalités locales et des spécificités des territoires. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous sommes partis du principe que les territoires ne se ressemblent pas tous, qu'il y a une extrême hétérogénéité d'un territoire à un autre, et qu'en conséquence, la politique du logement ne peut pas être traitée globalement, mais au cas par cas. Et que donner des objectifs de construction généraux n'a pas de sens. Alors, à ceux qui voudraient diaboliser les travaux de la commission spéciale en disant que nous avons détricoté l'article 55 de la loi SRU, que nous avons porté atteinte au fondement même de l'article 55 de la loi SRU, à ceux qui veulent nous diaboliser en disant aussi que nous avons fait haro sur le logement social, eh bien je réponds que ce que nous avons voulu faire, c'est libérer les élus locaux, les maires, des contraintes productivistes et des contraintes financières imposées par l'article 55 de la loi SRU, renforcée en 2013, qui, je vous le rappelle, impose 25% de logements sociaux d'ici 2025 avec un quintuplement des sanctions financières. Dans ce débat, nous avons vraiment deux visions différentes et je ne sais plus qui a parlé dans la discussion générale d'une bataille idéologique, mais je crois qu'en effet, on a aujourd'hui deux visions différentes. Et y compris, je pense que pour essayer de vous convaincre, même si je ne suis pas sûre d'y arriver, je crois important quand même de rappeler quelques chiffres et aussi pourquoi la loi SRU est si importante. La loi SRU, qui a été portée notamment par Louis Besson, avait pour objectif de produire dans l'ensemble des territoires qui ont des demandes en logement très fortes, la construction de logements sociaux. Et quand on dit logements sociaux, c'est logement pour les familles, logement pour les étudiants, logement pour les personnes âgées. Le logement social, c'est un ensemble de types de logements avec des loyers modérés. La réalité, même s'il y a des difficultés dans certains territoires, c'est que la loi SRU, dans sa grande majorité, fonctionne. Et vous l'avez dit, Monsieur Dallier, une grande majorité de ces villes ont déjà franchi les objectifs fixés pour 2025 et d'autres sont en train de le faire. Et la question, elle est en effet de savoir pourquoi certaines communes ont décidé dès 2001 et toujours en 2016 de ne pas appliquer cette loi. Ça, c'est une question. Deuxièmement, vous me dites que ça ne sert pas. La réalité, c'est que la loi SRU, elle a permis de construire un grand nombre de logements sociaux. Elle a permis aussi de remettre de l'équilibre dans les territoires. Le vrai sujet, ce n'est pas que l'application de la loi SRU dans des petites communes qui sont elles-mêmes rattachées à une très grosse agglomération. Et il faut être très clair qu'avec l'évolution des EPCI, ça a bouleversé un certain nombre de sujets. Mais notre problème aujourd'hui, c'est des communes qui ont 50 000, 60 000, 80 000 habitants et qui depuis 15 ans ne veulent pas construire les logements sociaux qu'elles doivent construire. Il y en a encore, vous le savez bien, il y en a encore. Et là-dessus, il me semble que c'est justement sur ce point-là qu'il faut être intraitable. Est-ce que l'objectif de 25% en 2025 est tenable pour les communes qui sont soumises à l'article 55 de la loi SRU ? C'est ça la question. Et mon cher collègue Favier, pour vous répondre et sortir de la caricature, lorsqu'il s'agit de démontrer quelque chose, c'est parfois compliqué. Lorsqu'il s'agit de démontrer le contraire, un contre-exemple suffit. Alors je vais vous en donner un contre-exemple. Et c'est celui de ma commune. Il y a 15 ans, 5% de logements sociaux. Aujourd'hui, 15%. J'ai toujours respecté les objectifs triennaux. Et je respecterai le dernier qui se termine en 2016 avec 300 logements sociaux mis en construction. La commune a pris 30% de population en 20 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire quand on est au milieu de la Seine-Saint-Denis à 10 km de Paris ? Voilà ce que j'ai fait.
Nous avons utilisé tous les moyens, construit, racheté des bâtiments anciens, les confier à un bailleur social. On a tout utilisé. Mais je vous dis aujourd'hui que pour moi, atteindre 25% en 2025, c'est pas possible. Pour une raison simple, si je veux préserver la mixité sociale au milieu de la Seine-Saint-Denis, et si je veux faire 50% de social, 50% de logements en accession, il faut que je construise 2400 logements d'ici 2025. En 9 ans, monsieur Favier, c'est impossible. Quand vous dites dans des communes de 2000 habitants du nord du Val-d'Oise, il faudrait appliquer. Mais d'abord, il n'y a pas de demande. Les gens vous disent il faut qu'il y ait une station RER, il faut qu'il y ait une gare, il faut qu'il y ait des capacités de desserte. Pourquoi voulez-vous, alors que beaucoup travaillent à Paris, que nous venions habiter dans une jolie village du nord du Val-d'Oise ou du sud Yvelines? Il n'y a pas de transport, il n'y a pas d'opérateur, il n'y a pas de moyens dans la commune auprès du maire pour mettre en place. Donc on a un peu le sentiment que c'est tout à fait surréaliste. On l'entend depuis tellement d'années, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de capacité de desserte, il n'y a pas d'opérateur, il n'y a pas de foncier, etc., etc. Sauf qu'il y a des gens qui recherchent un logement, sauf qu'il y a des gens qui ne sont pas logés et qu'il y a un minimum, monsieur Carucci, de solidarité à avoir entre les communes. Moi, je voudrais aussi, parce que la logique, j'ai entendu tout à l'heure la logique, et celle-ci, pour avoir siégé très longtemps, de longues années, au Conseil national des villes, au Conseil national des villes et au Conseil national de l'habitat, si je me souviens bien, en 2000, avant justement la loi SRU, 1995 communes en France concentraient 90% du parc HLM et qui représentait 60% de la population française. Et aujourd'hui, on n'en est plus, comme le disait Madame la Ministre, à une spécificité des territoires, mais à une ségrégation territoriale telle que ça pète partout et que ça va continuer en France à avoir ce qu'on a.